Salut à toi, docteur Wack. Tu es plus débile que fou, mais tu vas rester quand même. Bonsoir. Tu es débile dans quel sens? Dans le sens ancien de ce terme, à savoir une constitution faible et fragile? Et l'un n'empêche pas l'autre. Pas bien préparé ce bordel, comme d'habitude. J'ai à la bourre. Je me suis demandé jusqu'à la dernière minute hein, ce que j'allais vraiment faire et lire. Je n'ai décidé de ce sujet, la psychopathologie de l'expression, qu'assez tard dans la journée. Ce fait que j'ai pas préparé. Voilà. Plutôt moderne, d'accord. Salut, salut, je suis content de te voir, mon lapinou, Gabriel, fier représentant des débiles qui sont aussi débiles au rapport. Tout ça, tu es débile et débile. Ben, je suis également débile et débile, je crois. Ah bah tant que je te tiens, mon Gabriel, est-ce que ça te dit que dimanche on s'en fasse un? Je suis enfin là à dimanche, je ne suis pas en train de courir les routes. Dimanche dernier, nous étions à Amiens pour le petit festival Micro Machine. On vous a ramené plein de fanzines d'ailleurs, on vous montrera ça bientôt. Ah bah oui, carrément, super. Je dois dessiner copieusement. J'ai pas du tout avancé sur le projet pour la Philharmonique, donc j'ai intérêt à bosser un peu. C'est chouette d'aller faire des salons, mais ça grève beaucoup, beaucoup le temps de travail. Allons, bon, mon téléphone qui fait du bruit. Excusez-moi, je réponds, je coupe. Voilà. Bon, c'était important, un petit peu. Ça l'est rarement. En général, je réponds pas, mais là, j'essaie d'organiser un petit voyage à la parole errante, hein, parce qu'il y a un salon du livre politique. Je suis censé y présenter des trucs, mais j'ai toujours pas de moyens de transport. Le cigare de ce soir, c'est un Flor de Oliva, mais Robusto, un modèle un peu plus fort que d'habitude. Non, un taureau, pardon. Il avait pas du tout la même cape. Il a une couleur enfin, puissante, chocolatée, profonde. Alors que les autres fleurs d'oliva que je fume d'habitude, ils ont une couleur de liège. J'avais envie d'un truc un peu plus robuste. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs? Je sais pas si j'ai remis le son ou pas. Oui, si, visiblement. Potard répond. Le son est bon, bah super. Est-ce que vous allez bien, les gens? Et toi, Gabriel, dis-moi, comment tu vas?
Ah, c'est pas vrai, il ressonne ce con. Je vais l'éteindre pour la suite parce que là. Ah, génial. Une excellente nouvelle. Très bien, très bien. Moi, c'est sauvé. Je peux aller à Montreuil. Ah, donc les viewers, les vieweuses qui habitaient dans le coin, sachez qu'on pourra se retrouver à la Parole Errante le 19-20. Bon, j'irai présenter des bouquins. Salut Suze. Comment vas-tu, chère Suze? Dans le merdier administratif pour le dossier des bourses scolaires de ton lardon, c'est stressant. Salut Clint. J'imagine que tu as autant d'aptitude que moi pour la bureaucratie. C'est des grands moments d'angoisse. Montreuil, oui, le Montreuil, c'est ça, en Ile-de-France. Pourquoi il y en a plusieurs, Clint, des Montreuil? C'est possible. Hein. Moi, je n'en connais qu'un. Celui qui se trouve à l'est de Paris. Mais c'est possible qu'il y en ait d'autres. J'y serai. Si tout se passe bien avec l'ami qui peut m'embarquer, parce que Agnès ne sera pas là, elle a plein de trucs à faire à la maison. Il y a d'autres boulots qui sont en cours à l'atelier, donc elle s'occupe de ça avec d'autres zozos. Moi, je vais partir normalement les 19 et 20 à Montreuil. Ah, il y a Montreuil-sur-Mer, nous dit la garde de Michard. Et bonsoir, la garde de Michard. Si tu fous la montre dans l'œil, comment tu fais pour lire l'heure? Bienvenue, Suze et ses calembours. Vous ne vous promenez jamais les uns sans les autres, ce serait dommage. Hein. De quel mois? De ce mois-ci. La Parole Errante organise je ne sais pas quoi avec ses QFD. Je ne sais pas si c'est étendu à une série d'autres présentations de livres politiques, mais il y a au moins un stand pour ses QFD. Il y aura de la place pour moi, une bonne place et de quoi montrer quelques bouquins. Et si effectivement mon amie Caroline peut m'emmener, comme elle vient de le confirmer par SMS, eh bien, dans ce cas-là, il y aura quelques livres de Caroline également. Tes calembours, c'est comme tes chiens, ça va en l'eau. Ouais, mais tes calembours, n'aboient pas, ne bavent pas et ne mâchent pas les coussins. Il y a un Montreuil platonicien éternel et immuable et une brouette d'instances sensibles de Montreuil. Forcément inférieur, oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas de véhicule adapté pour joindre le ciel des idées où se trouve le Montreuil platonicien. Et pourtant, qui n'a pas rêvé de poser ses petites miches sur un fauteuil platonicien dans un Montreuil platonicien? Ah, c'est mon portable, tu crois qu'il crée des interférences? Je vais le mettre plus loin. Voilà. Voilà qui est fait. Il y a un concert à Kousma à la maison de la radio. Super, hein, qui est invité? Bah oui, Suze. Gabriel vient de le dire. Il y avait des interférences entre mon portable, qui par ailleurs n'est pas mon portable à proprement parler. Alors, Manuela Blackburn, Farewell Fairlight, Rodolphe Alexis, Mario Marie, je ne connais pas. C'est des commandes de l'INA, d'accord. Ok, Meryl Hamp. Ok, ok, France Sébastien Roux. Ah non, Sébastien Roux. D'accord, c'est que des pièces nouvelles en fait. Je n'en connais aucun. Tu peux pas manger pendant le live, juste. Tu peux pas juste simplement grignoter en écoutant mes conneries. Est-ce qu'on ne doit pas aller à Paris aussi en août? A priori, non. En août, moi, je dois aller à Bordeaux. Je crois que les Infest, c'est début août.
sinon, non, j'ai pas de séjour parisien prévu. Il y a quelque chose d'organisé sur le plateau, aussi en août, qui a l'air pas mal. Voilà. J'ai pas vraiment d'autre occasion d'aller à Paris. Louisa avait dit ça. Ah non, je pense que c'est un malentendu. Salut Eric, tu vas bien? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Ah, si on peut considérer qu'en te parlant de live à chat, je te vois. On va faire comme si que je n'avais pas vu les quelques lettres qui composent son pseudonyme. Ah, j'espère que je vais pas avoir une voix merdique parce que j'ai pas mal de trucs à vous lire normalement. C'est un peu spécial ce soir. Enfin, je vais vous parler de ça dans une minute ou deux. C'est un choix de texte qui surgissent du passé sur un sujet toujours présent. Alors, 12,50 € pour un fanzine BD de 50 pages, est-ce que c'est un prix comme il faut? Alors, ça dépend de plein de trucs, la garde de Micha. Ça dépend de son format, si c'est plus proche du A4 ou du A5. Ça dépend de sa couverture, si elle est soignée, si elle est en couleur. D'ailleurs, à l'intérieur, s'il est en couleur ou en noir et blanc, si elle est traitée avec un soin particulier, de la qualité de la reliure que tu vas y apporter, si c'est juste un truc agrafé à l'arrache. Pour te donner un exemple. Pour un truc très très simple comme précaré, tu es sur un 48 pages, plus proche du A4 que du A5, et qui est vendu 8 euros avec une couverture sérigraphiée. Voilà, 8 euros avec deux coups d'agrafe, donc pas de soin apporté à la reliure et massicoté comme il se doit. Donc 50 pages, enfin, ça peut pas être 50 d'ailleurs, c'est 52 ou 48 évidemment. Enfin, j'imagine, à moins que tu veuilles faire un dos carré-collé, sinon t'es pas sur 50 pages, t'es sur 52 ou 48. Donc 12,50 €, ça va dépendre de tous les détails que tu apportes en plus sur la qualité de ton fanzine. Tu vois par exemple le fanzine Twitch qui n'est pas beaucoup plus ample que précaré en nombre de pages, en pagination. Il l'est plus par son format. C'est un dos carré. Enfin, c'est pardon, une jaquette sérigraphiée 4 passages. Et on est sur un fanzine qui passe d'un coup à 12 euros. Salut Caroline et Antoine. Salut, salut. Donc tu m'apprends, Caroline, que on va pouvoir se voir pour aller à Montreuil ensemble. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On sera avec tous les potes de CQFD. Ah, je vais couper le bordel. Tais-toi donc. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est chouette. Ça me fait vraiment plaisir. Salut Man Monkey, salut les gens. Bon ben, j'espère que vous allez bien. Je me suis pas mal demandé de quoi j'allais vous causer ce soir. Ah, tu dis génial, Caro, mais il faut trouver aussi où dormir pour moi. Je ne sais pas si vous avez des plans à Paris, mais moi j'ai pas votre souplesse. Vous avez encore des jeunes dos en pleine forme et vous pouvez dormir dans votre camionnette aménagée. Mais moi, il faut que je trouve un petit truc quand même. Hein. Pour mon vieux dos de plus que cinquantenaire, j'ai intérêt à trouver un petit peu plus confortable, sinon je ne dormirai pas. Il y a ta mère. Bon, bah, écoute, on reparlera de tout ça par phono, mais en tout cas, c'est une super nouvelle. Je suis très content de vous voir. Ça me fait très plaisir. Donc bonsoir tous les gens. Alors de quoi je vais vous parler ce soir, c'est un peu particulier. On a déjà parlé ici de temps en temps des liens, soit historiques, soit qu'on pourrait dire humains, affectifs, factuels, cliniques entre art et folie. On va réaborder ça un petit peu ce soir, mais sous un angle un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se plonger dans les liens entre art et folie, on va se plonger dans la façon dont ça a pu être considéré, traité à un moment M de l'histoire de l'art et également de la psychiatrie. C'est les années 70. Les choses que je vais vous lire
C'est une série de cahiers, alors il y en a eu un bon nombre, je crois qu'il existe une trentaine de volumes de cette série-là, la série Psychopathologie de l'expression. Je vous ai déjà parlé des publications étonnantes des laboratoires Sandoz, parce que j'en possède un petit paquet. Moi, je vous avais montré, je crois, des bouquins d'anatomopathologie, de dissection, qui sont très très beaux. C'est de l'orfèvrerie sur corps humain. Je vous avais montré ça, donc des images forcément un peu rudes, hein, puisque ça la découpe de cadavres. Donc, ça fait partie des choses qu'on aborde assez librement sur cette chaîne, mais qui peuvent troubler un public passager pas préparé à ça. Mais ce soir, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre collection qu'ils ont publiée, une trentaine de cahiers comme cela, qui sont assez passionnants. À chaque fois, ce sont des cliniciens différents qui écrivent les textes. Je ne les connais pas, je découvre tout ça en même temps que vous. J'ai récupéré cette collection iconographique incomplète en faisant le déménagement de Robert Varlez. En ce moment, Robert va déménager, donc il y a un gros travail à faire sur ses archives, notamment les archives de publications poétiques qui sont incroyables. Donc, ce que j'ai fait pour ces archives-là, c'est que j'ai mis de côté une très grosse quantité de fascicules, plaquettes d'avant-garde, livres expérimentaux des années fin 50 à milieu 80, salut Samoussassa, qui vont partir à l'IMEC, à l'IMEC, pardon, au CIPM à Marseille. À l'IMEC, ce sera plutôt les quelques manuscrits qu'il y a là-dedans. Et la partie plus fanzineuse de poésie et de littérature va partir à la Fanzinothèque de Poitiers. Pour autant, je me suis réservé le plaisir de conserver pour moi, quitte à les renvoyer quand j'aurai lu tout ça d'ici un an ou deux également au CIPM, une trentaine de bouquins que je vous montrerai, que je vous lirai. On découvrira ensemble la poésie. Puisque c'est souvent qu'il y a des lectures poétiques sur cette chaîne, mais on lit des choses qui sont trouvables assez facilement, plus ou moins facilement selon les choses que je vous lis, dans des anthologies ou des bouquins publiés assez largement. Mais là, je pourrais vous lire des poètes et des poétesses dont on trouve très difficilement les ouvrages, ou qui représentent un pan de l'écriture francophone moins bien diffusé en France, c'est-à-dire la poésie belge, qui est très riche. Vous en connaissez au moins quelques spécimens, je vous ai déjà lu du Michaud, du Savitskaya, mais c'est assez vaste et assez large, donc ça, on le découvrira ensemble. Et dans cette bibliothèque que Robert est en train de soigneusement écrémer pour pouvoir emménager dans le nouvel espace où il va se trouver, j'ai aussi trouvé ça, cette série de cahiers, Psychopathologie de l'expression, qui associe à chaque fois une ponction iconographique, un certain nombre de planches, de travaux de malades psychiatriques dont les travaux ont été récoltés par les médecins, les aliénistes qui les entouraient, qui s'occupaient d'eux, et à chaque fois, un ou plusieurs rédacteurs et rédactrices, cliniciens de diverses obédiences psychiatriques. Donc, comme je ne les connais pas, je pourrais peu vous éclairer. Si ça vous dit, on pourrait essayer de savoir qui ils sont, mais des fois, ils ont des noms extrêmement communs. Là, on a le docteur Howard. Je pense que des Howard dans le monde de la psychiatrie, il y en a quand même un bon paquet. Mais on pourra comprendre leur angle de vue par les textes, qui sont des textes courts. Ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre à la fois de voir des œuvres de dix fous, de voir comment ces œuvres sont commentées par des cliniciens, des psychiatriques, salut Claire, et des psychiatres, pardon, des années 70, comment on perçoit à l'époque les liens entre production plastique et folie, les liens entre ce qu'on appelle à l'époque art-thérapie et art, hein, tout court, qu'est-ce que ça veut dire, les vertus qu'on place à cette époque ou pas, on verra dans les textes, je vous l'ai dit, hein, je vais les découvrir avec vous, sur ces pratiques, et la façon, d'une manière générale, dont des gens dont la profession n'est pas d'observer les images en tant qu'image, mais plutôt de les observer en tant que support symptomatique de leurs patients, de voir comment ils regardent les images, qu'est-ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils en disent. À chaque fois, vous verrez,
on rencontre, en regard du petit texte, une série de commentaires que je lirai pas toujours. Je crois que sur celui-là, c'est pas forcément très intéressant. Celui-là, je l'ai lu, mais c'est-à-dire image par image, la façon dont les cliniciens comprennent les images qu'ils regardent. On pourra le faire pour une ou deux, mais je pense que c'est pas la peine de le faire à chaque fois sur la totalité des planches. On va voir dans quelle perspective ils se placent pour regarder les images. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et on rencontrera assez vite des limites, puisque sorti de la grille de lecture psychiatrique, je pense qu'on va assez rapidement rencontrer cet écueil selon lequel ce qui va intéresser un clinicien sera probablement de regarder l'image en tant que dépôt symptomatique, je dirais, selon les modalités de l'allégorie, c'est-à-dire d'un dispositif dans lequel, au fond, l'image est supposée fonctionner à plein chez le fou, chez la folle, comme plus ou moins une paraphrase mécanique de l'inconscient dans laquelle le dessin serait support finalement de l'aliénation. Et par le truchement du signe, un accès à l'inconscient et à cette aliénation. Tout ça, évidemment, vous pouvez vous en douter, est extrêmement limité dans la façon de penser et de regarder les images. Ça nous pose toutes sortes de problèmes intellectuels et politiques, parce que, évidemment, une image a beau être produite par un homme ou une femme psychiatrisée, elle a un statut qui va au-delà du questionnement local de l'endroit dans lequel elle est observée, parce que tout simplement, le sujet psychiatrisé est un sujet à part entière. Je crois que là, il y a pas mal de textes qui parlent de ça, d'ailleurs. Ce qui force à chaque fois à nous poser la question et du statut de ces images, et aussi de la modalité et du statut de leur production même. À la fois dans l'imaginaire des cliniciens, ce qu'ils projettent dessus, mais des sujets psychiatrisés qui entretiennent des relations. Alors là, ce qui est intéressant, il y a pas mal de volumes et chaque volume aborde des champs différents de la pathologie. Ça va nous permettre de voir aussi s'il existe des systématiques. Alors, vous allez me dire, on s'en fout. Pas vraiment, parce que, par exemple, quand on observe dans le champ de l'histoire de l'art, des images contemporaines, on se pose la question de ces images contemporaines relativement à leur champ social, c'est-à-dire à la sphère d'usage en cours, de mode, hein, si vous voulez, qui produisent des images, voir quel type de dialogue ces images entretiennent avec le cadre d'apparition, qui est un cadre éditorial, par exemple, ou un cadre de galerie pour la peinture. Ce cadre, il est un support de réflexion et de dialogue de la part de ceux qui produisent des images et de leur lien avec les faits sociaux. Et dans ce cas, on en est conduit souvent à se poser cette question. Qu'est-ce qui dessine dans le sujet qui dessine? Il y a dans le sujet qui dessine évidemment des processus de subjectivation qui lui sont propres, des processus d'advention, mais il y a aussi de la société qui dessine un peu. Elle peut y dessiner sous une forme de soumission à des usages, une certaine docilité, bon là on parlera effectivement d'une mode, mais aussi un espace dialectique dans lequel les artistes peuvent se placer pour détruire quelque chose de ce champ d'évidence. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans un autre cas, c'est pas ça, dans un autre plan d'approche, parce qu'ils peuvent évidemment se superposer. La notion de la folie est une notion extrêmement tremblante, difficile à décider, elle peut pas se trancher comme ça, il n'y a pas des cloisons extrêmement étanches entre le sujet dit fou et le sujet dit pas fou. Ce serait beaucoup trop simple de croire dans cette espèce d'image de la séparation absolue du fou avec le reste de la société. Ce sont évidemment des conneries. Donc, laissons de côté ces conneries, parlons plutôt d'angles de vue sous lesquels on observe un dessin. Si on l'observe
sous l'angle de la question psychique, on doit aussi se demander est-ce qu'il y a une systématique de la psychose, une systématique de la dépression, c'est-à-dire dans le sujet qui dessine, une part de la dépression qui dessine, une part de la schizophrénie qui dessine, etc. Et là, on peut se poser donc la question des systématiques. Y en a-t-il ? Y en a-t-il pas ? Y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Je veux dire par là, il peut y avoir au moins les systématiques culturelles, puisque les sujets fous sont plus ou moins pris, au moins dans le monde contemporain, dans la même temporalité que les sujets dits pas fous. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les périodes où on isolait de force et assez rapidement et assez définitivement les sujets dits fous, évidemment, ils étaient dans une rupture temporelle du champ social. Leur capacité d'acculturation était affaiblie, évidemment, par cette détention. De temps en temps, un sujet dit fou qui venait d'une longue vie extérieure et artistique pouvait rejoindre le champ psychiatrique. Donc, vous connaissez évidemment les innombrables exemples dont Artaud est probablement le plus flamboyant. Et la question de l'acculturation, donc du rapport au temps contemporain, elle s'était posée antérieurement, avant l'enfermement. On pourrait dire plus ou moins que jusqu'à l'immédiate après-guerre, cette cassure temporelle est encore assez vraie, ce qui a rendu un peu nécessaire de penser un peu en ces termes, en termes de rupture, les productions psychiatriques, au point de créer cette typologie particulière qu'on a appelée art brut, hein, sous l'égide de Dubuffet et ses potes, qui est à la fois vertueuse parce qu'elle permet de regarder des œuvres qu'on ne regardait pas, et vicieuse parce que, évidemment, elle piège les œuvres dans le cadre duquel elle prétend les extraire. C'est une des limites, évidemment, du truc, mais limite que vous comprenez très bien, j'imagine. Cette limite, il y a à parier qu'on la recroise un petit peu ici. Il n'y a pas vraiment de raison qu'elle disparaisse complètement. On est en 1970. Alors, c'est une période intéressante pour la psychiatrie, puisque c'est aussi la période de l'antipsychiatrie. C'est la période de nombreuses expériences intéressantes, hein. C'est la période de la psychiatrie institutionnelle, de Oury, donc où on considère que l'institution est un sujet malade et qu'il faut soigner l'institution si on veut soigner les gens qui sont dedans. Donc c'est passionnant. C'est une très bonne période pour ouvrir la psychiatrie. On pourrait dire que d'une certaine manière, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, elle a régressé. C'est-à-dire qu'on retourne à toutes sortes de méthodes de contention, d'électrochoc, de séparation radicale, qu'on avait oublié, qui faisait partie du passé. On y revient. Il y a plein de raisons à ça. Il y a le déplacement de la psychanalyse dans le champ, enfin, le fait qu'elle soit largement congédiée et repoussée aujourd'hui, un peu brutalement du coup, c'est-à-dire sans avoir su tirer parti de la richesse théorique qu'elle nous apporte. Car si la psychanalyse, on peut en convenir à peu de chances de beaucoup aider finalement les sujets souffrants, enfin pas tous, il y a une toute petite ponction que la psychanalyse aide beaucoup, mais ça représente une faible portion des sujets malades et des types d'affections psychopathologiques. Alors, que nous dit Mad Monkey ? Il y a la BD Un monde d'art brut qui aborde ce sujet et l'évolution qu'il y a eu dessus. Elle présente aussi certaines œuvres. Après, c'est une première approche, pas un travail qui va en profondeur. Je ne connais pas qui a réalisé ça. Alors, même quand ils étaient coupés du monde extérieur, ils n'en étaient jamais totalement coupés de la société via le contact avec les nouveaux arrivants, la famille, quand elle vient, ouais, tu le dis toi-même, leur rendre visite ou les soignants. Oui et non, parce que ça dépend sur quel plan on se place. Là, le plan qui nous préoccupe, c'est vraiment le plan de la production des images, des productions de l'imaginaire. Et tu sais bien que cette question, pour être acculturante, doit être expérimentée par le sujet lui-même dans son cadre social. Ce n'est pas une question, je dirais, qu'on peut vraiment beaucoup alimenter dans... dans un transfert de position ou un simple petit processus d'acculturation extérieure. Il n'y a pas un deuxième degré de la réalité culturelle qui vous renseigne si on ne l'éprouve pas dans sa chair. Même si la famille vient, et tu sais bien que vu la considération qu'on pouvait avoir sur la folie jusqu'à il n'y a pas si longtemps, disons dans l'immédiate après-guerre,
Quand je dis après-guerre, je parle de celle du 39-45. C'est une mauvaise habitude d'homme du XXe siècle de considérer qu'il y a deux guerres. Excusez-moi. Dans ce cas-là, ça limite énormément les points de contact culturels avec le monde extérieur. Mais tu as raison de dire qu'il y a plein de brèches, et ces brèches ne sont pas pour rien dans les choix, par exemple, les irruptions de choix qui peuvent apparaître dans les dessins. D'ailleurs, à plusieurs reprises, je pense en étudiant ces cahiers, on va entendre parler par les patients eux-mêmes hein, de leurs références culturelles quand ils en ont. Mais elles seront composées de briques et de brocs parce qu'elles seront coupées justement du tissu vivant de la société dans lequel les œuvres se déploient et se contredisent par la même occasion. Salut maman, tu vas bien? Alors, je ne vais pas forcément tout vous lire, on va avancer petit à petit, on va regarder beaucoup d'images forcément, parce que chacun des cahiers est largement illustré. Et on va voir ce que ces textes nous disent, à la fois de la folie, des images et du regard porté sur ces deux choses dans un cadre clinique. Bon, je n'ai pas vraiment fait de choix raisonné, chronologique, enfin chronologique, je parle de la chronologie des volumes tels qu'ils se présentent dans la collection 112. J'ai fait un choix qui me semblait judicieux par un très rapide jeté pour avoir un panorama un peu large, des approches larges, et aussi tout simplement parce qu'il y a des œuvres qui me plaisent plus que d'autres. Tu vas passer un moment intéressant, mais j'espère, maman. Bon, tu vas découvrir plein de belles images et aussi probablement quelque chose du monde de la psychiatrie dans les années 70. Je vais commencer... Ah oui, j'ai fait déjà une première séparation de blocs parce qu'il y a plusieurs cahiers qui sont consacrés à la toxicomanie et à l'alcoolisme, donc aux productions de toxicomanes et d'alcoolos. Et je les ai gardés à part parce que j'ai l'impression qu'elles rajoutent une couche supplémentaire de difficulté pour comprendre les objets auxquels on a affaire, pour les regarder. Parce qu'on est dans un nœud de complexité sociale avec la question de la toxico. Donc je l'ai mis de côté, mais si on a le temps, on pourra en lire aussi. De toute façon, j'ai une pile un peu épaisse, j'ai une quinzaine de fascicules sur la collection de 30, c'est pas mal. Et on va aborder ça cool, doucement. On s'arrêtera sur les images que je trouve les plus excitantes. Là, le premier cahier, très sincèrement, les images ne m'intéressent pas tellement, je les trouve pas très terribles. Je vois, il n'y a aucune raison au monde, sous le prétexte que nous observons des dessins et des œuvres qui sont produites dans un cadre clinique et observées dans un cadre clinique, pour commettre l'erreur des cliniciens eux-mêmes, c'est-à-dire de les y enfermer au point d'abdiquer pour nous-mêmes les catégories du goût. Donc, soyez assurés que je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas parce qu'une œuvre est estampillée art de fou que je regarde ça avec un œil particulier, en tout cas qui associerait, qui consubstantialiserait la question de la folie à la production de l'image. Notamment parce que je crois peu, comme je vous l'ai dit, en une frontière étanche entre les dits fous et les dits pas fous. Mais ça, on en reparlera sans doute. Mais c'est important d'en parler, parce que c'est important de comprendre aussi quelles sont les limites de nos typologies, et de voir aussi comment elles affectent nos regards, tout simplement. Vous vous doutez bien que, quand on regarde une œuvre dont il a été par précaution dit à l'avance qu'elle était produite par un fou ou une folle, on change tout de notre capacité à nous y adonner de la même manière. On a brisé quelque chose, en tout cas, de notre relation, ou on y a ajouté quelque chose. Mais une chose est certaine, de façon quasi irréparable, il y a une donnée qui a été impliquée dans le regard et qui va l'obvier, qui va le changer, qui va nous conduire, en tout cas, à injecter une forme d'estimation de l'image très différente. C'est assez difficile de s'en départir. C'est une des limites, évidemment, de la catégorie art brut. Je pense que c'est des choses qui vont bouger, qui bougent petit à petit. Il serait temps d'en abdiquer une bonne partie, en tout cas quand on produit des œuvres dans un cadre public, c'est-à-dire quand on les monte dans des galeries ou quand on en met dans les collections des musées, quand on fait des bouquins. Prévenir le moins possible
les lecteurs et les lectrices, les spectateurs et les spectatrices, de l'état symptomatique hein, des artistes qui les observent. Ça n'est pas une bonne idée. Et puis ça n'est pas faire justice à la grandeur de certaines de ces œuvres renversantes que d'un seul coup de placer cette espèce de barrière plutôt douteuse entre nous et les œuvres que nous regardons. Voilà. Mad Monkey nous dit « Je suis pas convaincu que les dipafous soient toujours si sains d'esprit que ça. » Signé une personne avec plein de troubles en thérapie depuis des années. Tu sais, Mad Monkey, je pense que parce que le sujet est fréquemment abordé ici, et puis avec une certaine liberté, parce que je suis, pas seul, mais avec Agnès, impliqué à titre personnel dans des questions psychiatriques depuis longtemps, c'est très présent sur cette chaîne. Je suppose que certains et certaines d'entre vous s'y sentent également bien et bienvenus par la façon dont on aborde ces questions ici. Et j'espère que vous y êtes bien aussi pour ça. Voilà. Effectivement, moi aussi, je pense que cette question, elle est pas soluble dans des typologies fermées. Et d'autant moins que, au moins, à travers le temps, puisque sont mobiles également les définitions, notre façon de nommer la folie, alors ça remet en cause la fixité même de son cadre général, évidemment. À partir du moment où les différentes catégories cliniques elles-mêmes vivent des grands chamboulements, les thérapies s'accompagnant généralement de redéfinitions, ben on doit évidemment prendre en considération le fait que c'est comme tropisme général de la folie elle-même, donc il faudrait, avec le plus d'ouverture d'esprit possible, se permettre de mettre en doute la série des frontières qui sont placées pour la contenir en société. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose si je vous dis qu'un comportement dit fou ici est étrangement dit pas fou là-bas. Et je pense que, précisément, le sentiment éventuel de bien-être qu'on peut éprouver sur cette chaîne ou dans des endroits où les questions sont posées en ces termes vient en grande partie du fait qu'une série de gestes, de discours dénoncés ou d'attitudes dites folles dans ce pan de la société ne sont pas considérés comme tels dans des endroits où on regarde l'expression des sujets d'une toute autre façon, d'une toute autre manière, et évidemment sans la série des jugements et des sanctions qui les accompagnent. A fortiori parce qu'évidemment, il n'existe pas, ça on en a déjà parlé à propos de l'art, c'est pour ça que ça nous intéresse forcément, mais vous allez voir que si on touche à cette question, c'est bien parce que on est confronté un peu au même type de problème. Il n'existe pas d'écart qui à la fois ne se définisse par rapport à la norme et il n'existe pas de norme qui puisse se définir sans ces écarts. Voilà. T'as même entendu dire qu'une personne dégénérée à l'extérieur est tout à fait normale ici. Ouais. Il y a de fortes chances, oui, que ça se passe un peu comme ça. Et il faut bien comprendre, par exemple, que cette question, qui pour le coup est éminemment politique et sociale, elle est aussi définie par la façon même de donner de la solidité et de la réalité à des cloisons toutes imaginaires. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que si vous dessinez le périmètre dit fou autour du comportement de quelqu'un, qui que soit ce quelqu'un, chacun de ces gestes va être perçu, conçu et reçu de cette façon. Mais d'un point de vue politique, on peut tout à fait admettre une série de gestes qui sont pourtant renversants d'un point de vue comportemental, voire clinique. A contrario, on peut trouver dans certaines catégories sociales parfaitement imaginaires, art, non-art, des autorisations comportementales qui permettront de déjouer le jugement clinique sur des comportements.
Et c'est pas pour rien, alors, que se croisent aussi souvent les désordres psychiques, la souffrance psychique et le champ de l'art. On pourrait dire, oui, le lien, c'est l'expression. Pas sûr. Avant même d'être un problème de relation à la manifestation de soi, que certains appellent l'expression, mais moi je trouve que c'est un terme un petit peu malheureux, je suis pas du tout favorable à l'emploi du terme d'expression, mais peu importe. Je suis pas certain que ce soit ça le principal. Il y a aussi une réalité sociale qui fait que la catégorie art et artiste est précédée d'un ensemble imaginaire de libéralité qui fait que la question art, le champ art, la famille art, peut représenter, pour qui souffre psychiquement, un lieu de repos à l'avance, dans lequel on saura qu'on arrêtera de vous juger. Être considéré à l'extérieur comme déréglé, comportementalement incompréhensible, insaisissable, déviant, et épuisant, douloureux toute la journée, et on peut tout à fait imaginer que c'est une raison suffisante pour décider d'embrasser une carrière artistique dont on sait à l'avance que là, un grand nombre de ce qui est pris pour des symptômes ailleurs sera considéré comme non soumis au jugement dans un cadre artistique. Ça ne veut pas dire que toutes ces choses soient et un réel plan de réalité plus fort qu'un autre. Ce sont des plans, ça lustre les gars, ce sont des plans relatifs en fait. Ils sont relatifs à des usages et relatifs, je dirais, à la force qu'on accorde à la régularité et à la norme, à l'importance qu'on lui accorde ici ou là. Notions qui, elles-mêmes, peuvent se déplacer. Alors, c'est un peu le seul endroit où on peut être socialement qui on est. Oui, c'est ça, Suze. Et je pense que, avant même d'avoir à se poser la question de l'investissement pulsionnel dans l'art comme activité, il y a un investissement social dans l'art qui est soulageant. Pour qui, même s'ils ne souffrent pas psychiquement, et regardés en dehors de cette sphère sociale, de toute façon comme déviants. Donc la question de la marge, elle va se porter très différemment, évidemment, selon les lieux où on se déplace, les pays où on se déplace, les langues dans lesquelles on se déplace, etc. etc. Et aussi le cliché de l'artiste torturé qui trouble la limite, dit Mad Monk. Alors ça, c'est non négligeable. Mais on pourrait dire que ceux qui accréditent cette image, ce qu'on appelle donc la romantisation de la folie, ont une bien faible connaissance de ce que la folie est, comme territoire de souffrance, définitivement non romantique et non romantisable. Alors pour les liens collaboratifs, puisqu'on n'en est plus tout à fait à la séparation absolue, elle est reconduite d'une façon plus tordue dans certains secteurs de la production artistique. Il y a de plus en plus de collaborations entre dix fous et dix pas fous, musicales, en bande dessinée notamment. Il y a le Frémoc, il y a Hors Bord, la collection de Annabelle Dupré, il y a la cinquième couche qui travaille aussi avec des centres. Il y a donc des groupes d'artistes qui travaillent volontiers avec des psychotiques qui sont suivis, donc dans une relation de travail avec les centres qui les accueillent et qui les aident pour créer des productions communes, etc. Pour autant, on n'est pas si éloigné de ce que Mad Monk souligne. S'il y a là-dedans une force politique réelle et importante, il y a une limite, qu'on pourrait dire la limite de la précaution oratoire qui existe, puisque on ne manque jamais d'informer que telle œuvre de bande dessinée est co-réalisée par tel auteur ou autrice de bande dessinée et tel autre auteur qui est trisomique, par exemple. Et cet énoncé en soi ne fait que reconduire, au fond, à sa manière, les bonnes vieilles barrières, tout en reconduisant ce dont parle Mad Monk, qui peut être un fond de romantisation de la folie. En tout cas, on est quand même conduit à se poser la question
et à être regardant sur ce qui se passe vraiment dans ces collaborations, aussi belles soient les œuvres qui en naissent. Parce que je vous en ai parlé d'une récemment, de Dominique Goblet, enfin, il y a vraiment des œuvres formidables qui sortent de tout ça, mais formidables ou pas, c'est intéressant de voir ce qu'elles ont encore en partage avec les vieilles typologies, comment elles les reconduisent, ou qu'est-ce qu'elles arrivent à en éroder ou pas. Alors, Bad Monkey nous dit, plus facilement accepté, si t'es pas utile au marché de l'art ou reconnu par les institutions artistiques, ça va devenir plus compliqué pour toi. Surtout si, même si tu as une pratique artistique, tu peux pas en faire ton métier. Alors, c'est pas forcément une question d'argent. C'est même assez peu ça le problème. La reconnaissance par les pairs dépend assez peu dans le monde artistique de ton aptitude à être financièrement autonome avec elle. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt sur un autre plan que ça va se placer. C'est un plan symbolique et la plupart du temps, c'est le sujet qui se surdétermine lui-même dans ce plan symbolique-là. Je crois vous y avoir déjà raconté cette anecdote, mais comme elle est un peu marquante, je peux vous la redonner. Si je vous l'ai déjà raconté, excusez-moi, j'en suis vraiment désolé, mais j'aime bien le caractère éclairant de ça. C'est Gérard Garouste, donc c'est pas un type très intéressant, c'est un peintre assez médiocre, plutôt pompier, qui raconte ceci. Lui, il vivait dans le sud de la France, dans la région PACA, où vivait également, pas loin de là, Armand, artiste célébrissime du nouveau réalisme français. Hein. Vous connaissez sans doute ses compressions, ses coulées, ses grands pouces, etc. Ah non, ses grands pouces, c'est César, autant pour moi. Armand, donc ses découpes de statues, découpes de violons, etc. Garouste raconte que quand il était petit, il y avait pas loin de chez lui, dans le village d'à côté, un type qui avait une manie. Il recouvrait d'aluminium tout ce qui l'entourait. Il entourait de papier aluminium, la tuyauterie, les objets chez lui. Il peignait en aluminium ses bottes, une partie de sa maison, quelques-uns de ses objets. Et il était regardé comme le fou du village, évidemment. Et pourquoi évidemment? Parce que lui-même, conscient en grande partie de ce qui le séparait dans le regard des autres d'une activité dite normale, il y était sans cesse reconduit et il vivait une part de honte, en tout cas c'est ce que Garouste dit, de sa position parmi les autres. Et un jour, Armand, ce grand artiste célébrissime, est arrivé dans le village d'à côté parce qu'il y avait une grande exposition qu'il célébrait. Salut à Karakir. Bonsoir à toi. Qui célébrait son arrivée dans le coin. Et Armand arrive tonitruant dans une... je sais plus de quoi il était collectionneur. Je crois qu'il était collectionneur de Cadillac. Il arrive dans une voiture aux couleurs tapageuses. Voiture elle-même tapageuse. Lui-même portait un costume rose. Et il était plein de lui-même, plein de la reconnaissance publique qui lui était faite. Et lui, évidemment, n'avait pas honte du tout. Puisqu'il était entendu pour tout ce qu'il faisait partie du monde artistique. Et Garouste disait... Le premier enseignement que j'ai reçu... Enfant, la différence qui pouvait exister entre les artistes et les autres, c'est que fondamentalement, un artiste n'a pas honte. Voilà. On pourrait dire ça autrement. On pourrait dire que tout repose sur la relation à la légitimité du sujet, à appartenir ou pas à une sphère dans laquelle son comportement ne sera plus regardé comme pathologique. Mad Monkey, toi, ta première... tu étais aux Beaux-Arts de Lorient. Ah, je suis l'orienté, Mad Monkey. Je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, voir cette école des Beaux-Arts qui a grandement changé depuis mon enfance. Et qui a l'air plutôt d'avoir changé en mieux. Ça a l'air d'être un peu amélioré. Donc, beaucoup de digressions comme d'habitude avant d'arriver à notre sujet. Mais je pense que c'était pas mal de jeter un peu les bases de... l'environnement intellectuel dans lequel on va se trouver avant d'aborder ces textes. Et pour lire les premiers textes, on va pouvoir passer à ça.
Maintenant qu'on voit à peu près sous quel angle de vue on compte les aborder. Qu'est-ce que tu nous dis, William? Les quatre livres que la cinquième couche publiera à partir de l'œuvre d'un artiste identifié comme Asperger. Bon, déjà, ça commence pas super bien. Ne mentionneront pas cet aspect de l'artiste. Concernant la série de capsules animées brutes réalisées avec des artistes porteurs de handicap chez Zorobabel, les capsules en soi ne désignent pas le statut des artistes, mais le contexte de l'association partenaire renvoie immanquablement à leur statut. Oui, bah comme la S avec les productions du Frémok, cette collaboration marque d'un certain sceau tout ça. Quand j'ai composé mon anthologie sur le travail de Michel Vachet, une des premières choses dont il a été question, puisque je devais rédiger toute la partie critique et théorique qui accompagne l'œuvre de Michel, c'est que jamais je ne mentionnerai le parcours psychiatrique de Michel, car je n'en voyais absolument pas l'intérêt, je ne voyais pas l'intérêt, ou en tout cas, je n'aimais pas le risque qu'on rabatte cette œuvre que tout le monde a déjà un peu trop ratée sur la destinée fatale d'un artiste fou, génial. Ça me cassait les couilles. Donc, j'en dis pas un mot dans l'anthologie. L'éditeur, trouvant quand même que mon texte était un peu trop compliqué, que c'était pas possible d'avoir ça en ouverture du texte, a proposé de faire une courte préface présentative et biographique, puisque je n'avais mis aucun repère biographique, j'en avais rien à branler. Et évidemment, immanquablement, lui aborde cette question. C'est ainsi. Heureusement, c'est très court, ça prend très peu de place, mais je pense que c'était complètement dispensable. On aurait bien pu s'épargner ce genre de conneries. Alors, on va y aller. Ce premier texte est un texte de Jacob et Howard et considère le travail d'un jeune homme, visiblement, qui s'appelle John. Dont on va pouvoir observer un petit peu les œuvres, hein, dont je ne suis pas fou. J'avouerai que je ne les trouve pas passionnantes, mais ce n'est pas grave. Donc, moi, je ne m'étalerai pas sur les œuvres que je trouve un peu moins excitantes, mais on va quand même évidemment les regarder pour savoir de qui on parle et de quoi on parle. Alors, on y va. Parce que des questions, évidemment, ne manqueront pas d'être soulevées dans le texte des cliniciens, je pense, à ce sujet. Alors, Irène Jacob et Margaret Howard font partie du Harvard Medical School, du McLean Hospital, donc c'est aux États-Unis. Ce sont des spécialistes de la psychiatrie de l'enfance, est-il dit en plus. Alors, je vais mettre ma souris ici, et de temps en temps, j'enlèverai une image, comme ça vous aurez un peu de temps pour bien les regarder, ça va être pas mal. Dans cet article, notre propos est d'analyser l'influence du talent artistique d'un garçon de 15 ans, très doué, disent-ils, sur le développement de sa personnalité et sur la symptomatologie de sa maladie. Alors, c'est intéressant parce que ça laisse supposer donc que ce qui intéresse les cliniciens, c'est un certain degré de conscience de cet adolescent d'appartenir par ses actions à la sphère artistique et des effets que ça peut avoir sur ses symptômes. Alors on est un peu dans notre sujet là, hein. C'est celui de la représentation, on pourrait dire, typologico-sociale, à savoir l'imbrication finalement des différentes sphères de la société dans lesquelles on se trouve pris et la force déterminante que ces sphères peuvent avoir sur nous, sur notre perception du monde et sur la façon dont on est perçu à l'extérieur. Et là, en l'occurrence, sur notre bien-être, sur le bien-être de ce garçon, quel effet ça a sur sa symptomatologie? Alors, on dit que les peintures de ce malade ont été exposées au 5e congrès mondial de psychiatrie en 1961. La présente investigation part d'un principe opposé au principe habituel, qui consiste à étudier d'une part la nature et le degré de l'influence de la maladie mentale sur l'expression artistique, et d'autre part, les mécanismes par lesquels l'art, en tant que moyen thérapeutique, est à même de soulager les symptômes cliniques d'une maladie mentale existante. Donc, deux choses différentes. Hein. À savoir, qu'est-ce que le fait d'être dit fou engage comme comportement plastique? Et d'autre part,
dans l'autre sens, qu'est-ce que ces productions artistiques ont comme effet sur le bien-être ou au contraire, qui sait, le mal-être du malade? Alors, on va déjà devoir laisser de côté un petit truc qui va nous rendre les choses compliquées. C'est la place qui est faite ici, par les cliniciens et par tout le monde, en fait, au mot art. C'est compliqué. On ne peut pas ne pas en parler, et notamment quand on parle d'art-thérapie. Car évidemment, ce qui fait thérapie dans ce qu'on appelle l'art-thérapie n'est pas l'art. Car l'art, comme catégorie réelle, est absent de ces pratiques, à moins que le sujet, les pratiquants, ne se définissent lui-même comme artiste et n'aient une vision et un objectif artistique. Ça, c'est des questions très difficiles à régler, parce que les moyens de le dire, de l'estimer, de le formuler et de s'articuler soi-même en tant que plasticien ou n'importe quel producteur de forme à la catégorie historique art sont des moyens qui nécessitent certains prérequis. Mais ces prérequis ne sont pas forcément accessibles à l'intérieur d'une enceinte psychiatrique et sont encore moins accessibles à l'analyse à des cliniciens qui, de l'art, ne savent finalement pas grand-chose. Alors, Madman qui dit, le détail bio qui nuit à l'analyse, je connais. Il y a quelques années, j'avais fait des vidéos YouTube sur la BD. Dans une, je parlais de l'auteur, peintre, cinéaste Clive Barker. Moi, je connais que son cinéma. Je sais qu'il est très connu comme auteur, non? Surtout Clive Barker, de romans d'horreur. Or, j'avais remarqué qu'à chaque fois qu'on mentionnait qu'il est gay, toutes les analyses de son taf se faisaient à travers ce point. Or, Barker lui-même a fait très attention de ne pas être l'auteur gay de service. Du coup, comme ça ne servait pas à l'analyse de l'œuvre dont je parlais, j'en ai pas parlé. D'accord. Excepté discrètement via une photo de Barker avec son compagnon de l'époque pour illustrer la vidéo. Bah oui, c'est fatidique. Si vous donnez un renseignement dont on pourrait dire qu'il est minorisant, il inclut comme une totalité le travail dans les, on va dire, dans les cadres de cette minorité. Et c'est vraiment problématique, à tout point de vue. Les auteurs de pathographie recherchent les signes pathologiques dans l'œuvre des artistes ayant souffert d'une maladie mentale. Encore faut-il que ce soit possible, n'est-ce pas? Et ça, c'est une question assez difficile à résoudre. Et d'autant moins facile à résoudre, je veux dire, aujourd'hui, que l'art dit brut fait partie du socle culturel. C'est-à-dire qu'une bonne partie, salut Quentin, une bonne partie des manifestations plastiques qui ont été typologisées dans le cadre de l'art dit brut ou outsider font désormais partie étroitement de la famille de pratiques et de la famille de formes intégrées au processus artistique. Donc déjà, ça me semble au départ extrêmement compliqué de tracer une frontière entre le culturel et le non culturel du fait plastique, mais évidemment, cette notion, à mesure que le temps avance, est de plus en plus difficile à établir dans le regard que nous portons sur les formes comme formes. Vous voyez bien le problème. D'autre part, évidemment, vous pouvez vous en douter, un clinicien, un auteur de pathographie, va avoir tendance à chercher dans les arts plastiques un système possible analogique dans lequel il puisse avoir recours à des liens sûrs, plus ou moins sûrs, entre ce qu'il regarde et ce qu'il connaît déjà de la pathologie. Et la totalité de son regard va à la fois laisser de côté ce qui y échappe et avoir tendance évidemment à surcharger ce qu'il croit reconnaître. Il y a un exemple assez célèbre qui est drôle mais qui n'est pas complètement stupide. Il va nous amener à, même si c'est une blague, hein, de Desproges. Desproges raconte cette histoire d'un psy assez troublé par des dessins d'un enfant qui représentait systématiquement une petite femme minuscule sur les feuilles de papier et un père démesuré et gigantesque. Donc le clinicien un peu alarmé
qui avait vu ces dessins par le truchement d'une maîtresse d'école qui les lui avait montrés, avait mis en alerte cette maîtresse d'école qui les lui avait montrés en disant oui, effectivement, il y a un problème, tatatitata. Ce qui faisait évidemment rire des proches, c'est que cet enfant, il connaît bien son père et sa mère. Et la mère de cet enfant est une toute petite, petite femme. Et le père, une espèce de basketteur de 2 mètres. Donc, du point de vue d'un enfant qui est au niveau du sol, le gigantisme du père devait paraître encore plus impressionnant. Et évidemment, ses dessins n'avaient pas grand-chose d'alarmant. Mais ça dépend évidemment à chaque fois de la façon dont vous regardez les choses et dont vous êtes précédé d'informations que peut-être vous ne devriez pas avoir. Et en l'occurrence, il s'agit autant d'informations que de formations que vous avez reçues en tant que clinicien. Quant aux auteurs étudiant l'art en tant que moyen thérapeutique, ils s'intéressent moins au talent du malade qu'à son implication dans le processus psychologique relatif à l'expérience de ses propres sentiments et à sa prise de contact avec la réalité du monde. Implication rendue possible par le fait de s'exprimer à travers son art qui lui ouvre une nouvelle voie de communication. Là encore, il y aurait beaucoup à dire hein, sur les limites à trouver entre un prérequis douteux, à savoir que l'art soit une question de communication, et la possibilité de rabattre tout entier l'activité artistique sur cette question. Pour qui pratique les arts plastiques, on sait à quel point c'est une vision extrêmement restrictive et faible du regard porté sur les images. On pourrait dire que la question de l'image commence au-delà de la solution du problème de communication. C'est à partir du seuil dépassé de la communication que la question art peut enfin s'ouvrir. Le reste n'étant qu'une pauvre petite affaire d'analogie rapide. De ça, évidemment, il faut bien tenir compte pour comprendre de quoi on cause. Dans le cas présenté ci-dessous, nous commenterons l'histoire clinique et l'œuvre picturale de notre malade John, dans le but d'analyser d'une part l'influence de l'éclosion de son talent à un très jeune âge, exercé sur le développement de sa personnalité, et d'autre part le rôle stabilisant de l'expression artistique pendant la culmination de sa crise d'identité lors de la puberté. Ce qui semble relativement cohérent si on accepte l'idée qu'il y a une autodétermination dans ce cas précis, à savoir que le jeune John se pense lui-même comme artiste, il a une activité plastique, et le fait qu'effectivement ce type de décision, c'est-à-dire la place de l'investissement personnel dans le champ art, explose le plus souvent à la puberté. Il est le paradigme même, je dirais, de l'affirmation des choix comme construction du monde. Qu'est-ce que ça veut dire de commencer à se ressembler? Ça ne veut pas dire qu'on doive commencer à une pratique artistique jeune, hein. Je parle de termes plus ou moins généraux. Il y a évidemment tous les moments de la vie peuvent être des moments de transformation de sa vie et de manifestation de soi comme soi. On est d'accord, hein. John est issu d'un foyer désuni. Ses parents se sont divorcés alors qu'il avait 7 ans. 2 ans plus tard, chacun s'était remarié. Après le divorce, John vécut de temps en temps avec son père, un grand alcoolique, mais il fut élevé essentiellement dans la maison de sa mère, une femme souffrant elle-même de troubles émotionnels. Une de ses sœurs est toxicomane. Au dire du malade, elle est aussi lesbienne, mariée avec un homosexuel et aurait encouragé John à l'homosexualité. Plutôt que de lire ça de cette façon, on peut juger, peut-être plus simplement, que la familiarité avec un couple homosexuel établit la vie homosexuelle comme faisant tout simplement partie du monde et des usages possibles et peut être regardée avec une plus grande tranquillité d'esprit par l'enfant de ce couple. Or, la vie homosexuelle n'étant au fond, au moins comme expérience imprécise du sujet, pas si rare, comment pourra-t-elle s'épanouir mieux que dans un cadre où on cesse de le stigmatiser? Parce que encourager à l'homosexualité, excusez-moi, je trouve ça un peu grotesque quand même.
John fut admis le 24 décembre 1968 à l'âge de 15 ans au service psychiatrique du Children's Hospital Medical Center à Tulsa, en Oklahoma, donc aux États-Unis, pour dépression, mauvaise performance scolaire et abus de drogue. Bon, en gros, c'est un adolescent, quoi. Excusez-moi. Si on... Franchement, hein, diagnostic psychonévrose, réaction d'angoisse grave avec idéation paranoïde. Ça fait beaucoup. Hein. Alors, idéation paranoïde, il faut bien s'entendre sur ce que c'est censé dire. Hein. C'est production d'un certain corpus dénoncé dont le fond est un fond vaguement paranoïaque. Ça ne veut pas dire que l'enfant est diagnostiqué paranoïaque, d'accord ? Et c'est ça la fameuse propagande LGBT+, dont les réacts cessent de nous casser les gonades, dit Mad Monkey. Tu as bien raison, ça doit être ça. Le lobby LGBT entré dans la famille. Les performances scolaires de John à l'époque de son admission étaient irrégulières. Il ne recevait des bonnes notes que du temps en temps dans quelques sujets préférés. Quel scoop. Dès l'école maternelle, il n'aimait pas l'école. Il se plaignait que personne ne le comprenât. En général, il était désobéissant, hyperactif et avait des manières drôles. Il méprisait ses camarades d'école, étant convaincu qu'il était plus intelligent qu'eux. John est un garçon robuste, aux manières engageantes, doué d'un langage bien articulé, qui s'identifie à un artiste. On peut dire qu'il est très précoce, parce qu'à 15 ans, à cette période, dans les années 70, c'est pas fréquent. C'est-à-dire, ça nécessite quand même... une certaine vision large et bien renseignée de la perspective symbolique qu'offre la position artistique. John était un garçon robuste, donc, qui s'identifie à un artiste. Son quotient d'intelligence à l'admission était de 114. Là encore, détail dont on n'aime rien savoir s'il est à charge ou au contraire, en quoi il nous renseigne de grand chose. Ça mérite d'être questionné. En raison de l'idéation paranoïde, John a interprété les relations interpersonnelles d'une manière déformée. Projetant ses tendances agressives et homosexuelles sur son entourage, il éprouvait celui-ci comme un monde dangereux où il courait le risque d'être l'objet d'assauts physiques et sexuels. John lui-même n'a jamais attaqué son entourage. Au début de son hospitalisation, son idéation paranoïde fut telle qu'il était convaincu que la mafia contrôlait le monde entier, que même le pape y était mêlé et que personne ne pouvait y échapper. Alors, je vous montre quelques dessins. John s'est rendu compte de la grande angoisse présageant la psychose imminente. Il se demandait s'il allait avoir une décompensation névrotique. C'est entre guillemets, donc peut-être que c'était ces termes, en raison de la confusion de sa pensée, du fait d'avoir la tête trop pleine de pensées et de savoir trop. On pourrait dire que ce garçon, quand même remarquablement éveillé, pour commencer à se regarder en disant « je suis en train de déconner », on peut dire qu'il faut que déjà une certaine lucidité. J'ai dans mon entourage proche un jeune homme qui, enfant, a commencé à entendre des voix, ce qui est quand même très inquiétant. Et qui, à moins de 10 ans, a compris que c'était peut-être un problème, que ces voix probablement n'existaient pas et qu'il devait en parler à ses parents. Ça, c'est un mouvement d'une lucidité assez stupéfiante et je dirais que, à sa manière, très rassurante sur la santé psychique d'un sujet et sa capacité à se voir faire quelque chose. John n'avait pas d'idée bien précise de son identité sexuelle, car son désir élémentaire d'affection n'avait jamais été satisfait. Bon, en gros, il n'avait pas de vie amoureuse active, c'est ça qu'on doit comprendre. Sans être ouvertement homosexuel, John avait cependant l'impression d'être impuissant, et il imaginait volontiers des relations sexuelles dans lesquelles il jouait le rôle passif et protégé plutôt que le rôle actif de l'agresseur. Il avait constamment peur que sa mère ou ses copains d'école ne détectent ses tendances homosexuelles. On se demande bien pourquoi un garçon serait inquiet en 1970 d'être perçu par son entourage comme homosexuel.
On voit déjà en 2023 les angoisses légitimes qu'on peut éprouver à ce sujet dans une société quand même globalement homophobe. Mais je pense qu'il y a 50 ans de ça, ça devait être assez chaud, hein. Madman Key dit, vu les liens documentés sur la mafia avec la Banque du Vatican, John a peut-être pas si tort sur ce point précis. Malgré le désir de devenir un jour un artiste bien connu, il se méfiait d'adopter complètement une telle identité qui, selon lui, implique l'état homosexuel, car, disait-il, je connais des artistes qui le sont. Cet enfant a été pris dans une série de clichés, toujours vivaces, dans lesquels moi-même j'ai grandi lorsque j'étais enfant. Je dirais pratiquement dans les mêmes termes, par ailleurs, que John. Dieu soit loué, mes parents ne m'ont pas suggéré d'aller me faire enfermer. John fut hospitalisé pendant 7 semaines. Il recevait des neuroleptiques et fut soumis à une psychothérapie 3 fois par semaine. En outre, comme sociothérapie, il fréquentait l'école de l'hôpital et les ateliers de thérapie occupationnelle et d'art-thérapie. J'aime assez l'apparition de occupationnel, ici séparé par et de art-thérapie, alors qu'au fond, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la perception de la catégorie art, il y a bien peu de différences, il n'y en a même pas du tout, dans les catégories occupationnelles entre celles-ci et les autres. John eut des difficultés à s'adapter à la discipline de l'école de l'hôpital. Au début, il interrompait toujours la discussion, ainsi qu'il l'avait fait auparavant à l'école. Plus tard, bien qu'il se fût mieux adapté à la discipline scolaire, il maintint une attitude de supériorité envers ses camarades qui le suivaient aveuglément, admirant son talent artistique. Au début de la thérapie occupationnelle, il ne parlait qu'au personnel médical et paramédical et se comportait surtout d'une manière négative et sarcastique. Plus tard, il est devenu coopératif au cours des activités de groupe, mais il préférait rester seul pour travailler à ses projets. C'est là que c'est intéressant de regarder ses dessins. Relativement à ce que l'on sait déjà de John, et de comprendre mieux la question de ce qui, d'une société, s'exprime également dans un dessin, fut-il regardé comme un dessin de Diffoux dans le reste du monde des images. Il se trouve que les années 70, qui vivent factuellement la mort du mouvement surréaliste, envoient l'explosion dans les clichés des images du moment. Il suffit de feuilleter les innombrables revues de poésie qui éclosent à la fin des années 60 et dans les années 70 pour voir que ce qui domine très largement le monde de l'image, c'est l'image surréaliste. L'image dessinée ici par John ne déroge en rien à l'infinie foison d'images qu'on peut voir fleurir dans ces revues. Pour peu que cet enfant ait effectivement 15 ans, se pense comme un artiste, il y a fort à parier que tout simplement il soit sous perfusion surréaliste comme beaucoup d'adolescents de cette génération. Au début de la thérapie occupationnelle, il ne parlait qu'au personnel médical et paramédical et se comportait surtout d'une manière négative et sarcastique. Plus tard, il est devenu coopératif au cours des activités de groupe, mais il préférait rester seul pour travailler à ses projets. Au cours de la psychothérapie, l'idéation paranoïde devint manifeste, surtout au début quand il se plaignit du personnel soignant qui, paraît-il, lui donnait des médicaments afin de contrôler sa pensée et d'empêcher les images homosexuelles. Là encore, cette représentation fantasmatique du cadre clinique n'est pas vraiment délirante, il me semble. On peut tout à fait comprendre dans un cadre où l'hôpital psychiatrique étant réellement un lieu normatif, toute perception chez soi-même d'une déviance largement condamnée socialement puisse être le sujet d'interprétation juste finalement de la volonté clinique de le faire rentrer dans le droit chemin. Il était persuadé d'être persécuté par la mafia.
John eut un rêve récurrent dont il a donné un compte-rendu durant la thérapie. Il est assis à côté d'une jeune fille et veut se pencher vers elle pour lui donner un baiser, mais il craint que son baiser ne soit pas satisfaisant. Enfin, quand la jeune fille se penche vers lui, il veut l'embrasser, mais soudain il se fige, comme pétrifié, il ne peut plus bouger. Plus tard, il a associé ce rêve à sa peur d'être soudain impuissant, que ce soit avec un homme ou une femme. Lorsque John quitta l'hôpital en février 69, son état s'était bien amélioré. Il se rendit aussitôt chez son père au Texas, mais bientôt il fut obligé de quitter le domicile paternel, car son père ne tolérait plus sa coupe de cheveux trop longue, ni la compagnie de ses amis bizarres. Il retourna à la maison de sa mère à Tulsa. 5 mois après sa sortie de l'hôpital, il se présenta spontanément à la clinique, ayant ressenti le besoin d'un traitement. Il est au Texas. Oui, excuse, au Texas. Le pauvre gosse. Pardon. Mais vraiment, hein. C'est pas un endroit où il fait bon être neuroatypique et homosexuel, hein, de toute façon. En août 69, John fut admis une nouvelle fois à la clinique, cette fois-ci en tant que patient ambulant. Il était pieds nus, vêtu de haillons et portait des cheveux longs teints en blond. En 69. Oui. En pleine période hippie, il est pieds nus avec des cheveux longs. Ah bah merde alors. Il avait adopté une attitude efféminée et une attitude pseudo-religieuse. Son traitement consista en une psychothérapie ambulatoire et art-thérapie. Au bout de quelques semaines, John ne revint plus à la clinique et fut donc considéré comme libéré. De toutes ces conneries. Le but de l'art-thérapie était de créer une atmosphère d'indulgence afin d'encourager le patient à manifester ses sentiments par son art. Atmosphère d'indulgence, ça veut dire qu'on... Tout le cadre est entièrement un cadre du regard clinique, dans lequel cette notion peut subitement apparaître, mais notamment parce qu'elle rentre dans une contradiction avec l'extérieur, qui n'est pas censé développer cette indulgence. William dit « On aurait pu enfermer les millions de spectateurs de Woodstock, oui, je pense. » Au début, John passa les tests Warthog, dont les résultats furent caractérisés par la laideur des femmes représentées et par l'absence de figures masculines. Alors, là-dessus, il y a évidemment beaucoup d'impensés, hein, qui sont des impensés liés à la pratique des arts plastiques et notamment au poids de l'académie portée tout entier vers une certaine partition des corps. Et d'une part, comme les tissus, la laideur, effectivement, c'est subjectif, on est d'accord là-dessus. Mais d'autre part, moi, par exemple, je dessinais jamais de corps de femme. J'en ai dessiné très tardivement, pour la bonne raison qu'il me semblait impossible de passer outre le monde canonique dans lequel on y enfermait le corps de la femme. C'était pas possible pour moi. Les femmes étaient toutes censées, sur du papier, prendre cette espèce de corps canonique. Et vous pouvez imaginer comme c'est inhibant. Cette inhibition, elle est liée à un corpus social, à des usages et à un certain état de l'image. À un moment, il serait hasardeux, voire risqué, de commencer à le lire à travers une grille clinicienne, franchement. Le texte Warthog, j'ai pensé que vous ne saviez pas ce que c'était, même s'il est encore un peu utilisé. Donc, je vous en ai amené une image, c'est ce truc-là, voilà, que vous voyez là-haut. Je vous ai dit que je n'ai pas préparé, mais j'ai juste préparé ça. J'ai rapidement survolé le texte, j'ai vu apparaître ça, je me suis dit, ouais, ça vous connaissez peut-être pas. Ce texte est encore pratiqué, je crois, notamment en Espagne, parce que j'ai vu des trucs récents, des dossiers récents là-dessus, mais... J'ai d'innombrables tests à la con qui sont basés sur une série de biais que vous ne pouvez même pas imaginer, de biais interprétatifs. Et en gros, c'est ça. Vous fournissez à un patient une grille avec 8 dessins dans des cases carrées. Et comme le dit Suze, il faut continuer les dessins. Il faut se laisser libre cours à l'imagination pour les étendre du mieux qu'on peut, ce qui nous semble le plus juste pour poursuivre donc, ces séries de petits signes géométriques que vous voyez là. Voilà.
Après avoir terminé ce test, John exprima son désir de faire de la peinture. Il se rendait avec plaisir aux séances d'art-thérapie et travaillait rapidement, sans hésitation. Alors, ce qui est intéressant dans le terme d'art-thérapie, c'est aussi que n'est jamais questionné en dehors du cadre clinique ce qui se questionne beaucoup ici, à savoir comment le sujet lui-même se projette dans le cadre dit art-thérapie, c'est-à-dire comment lui-même investit le champ art. Ce dessin-là, je trouve plutôt pas mal du tout. Enfin, c'est un des dessins de John que je trouve assez excitant. Et c'est fondamental. Parce que là, on touche vraiment à la question et du mode d'acculturation du sujet et tout simplement de son dispositif pulsionnel personnel dans sa relation aux images. Et tout ça n'est pas questionné. Or, à chaque fois, je pense que ça nécessiterait un réajustement de la définition pour comprendre ce que le sujet fait dans tel cadre, c'est-à-dire ce qu'il fait vraiment. Alors, Mad Monkey dit, avec ce test, je sens un grand potentiel de nawak interprétatif de la part du médecin. Ah oui, pour avoir lu en long, en large et en travers quelques-unes de ces analyses de textes de Warthog, oui. Très clairement, on arrive dans du très grand n'importe quoi assez rapidement. Mais si ça vous intéresse, on va quand même lire une des analyses de dessin faites par les cliniciens, comme ça on verra bien comment un clinicien regarde un dessin. On en prendra un au pif et on verra ce que ça donne en dehors du test de Warthog, tout simplement quand un clinicien regarde un dessin. Excusez-moi, j'ai un petit problème de cigare. Alors, il ne veut pas redémarrer ce con. On verra ça tout à l'heure. Allez. John était conscient de l'aspect bizarre de ses œuvres. Il pouvait même sans doute en être flatté, par ailleurs. Enfin, c'est un adolescent, n'oublions pas. Hein. Il y a une joie à la fois bonne et mauvaise, à passer outre les cadres. Hein. C'est pas un signe de mauvaise santé. Il refusait toute critique, même les instructions techniques. Ah, cela, rien d'étonnant, puisque lui-même se pense comme un artiste et on le fout dans un cadre qui se dit art-thérapie, duquel est censé se dégager surtout de l'indulgence. Est-ce que c'est réellement ce qu'un artiste attend du regard sur son travail? Je me souviens des colères qu'étaient les miennes quand on trouvait mon travail joli lorsque j'étais adolescent. Ce qui est... J'en voulais beaucoup à cette faute de vocabulaire à quiconque l'utilisait pour parler de mon travail. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles, je finis par m'habituer à cette idée, mais quand même. Alors, il était conscient de l'aspect bizarre de ses œuvres, si bien qu'il cherchait à dissimuler tout sentiment qui pourrait révéler le secret de sa pathologie, et surtout ses sentiments homosexuels, a fortiori s'ils se sont jugés à travers ce crible, en adoptant une attitude et un style peu conventionnel et soi-disant très personnel. Il a 15 ans, on peut dire aussi qu'il ne dispose pas encore de tous ses moyens pour le faire, de toute façon. La disposition des pleins moyens de la production artistique, c'est long à se mettre en place, et notamment pour sortir des clichés, par exemple. Faire passer ce test à une IA et le bilan pourrait être poilant aussi. Je pense que ce serait très, très drôle, effectivement, ouais. Alors, malgré ses précautions, John a exprimé dans ses peintures le contenu pathologique de son subconscient. Voilà, ça c'est une phrase directe du clinicien. En gros, le clinicien est en train de dire, ah, il a essayé de nous déjouer notre regard, mais nous, on sait quand même voir que son inconscient est là, on le voit bien. Voilà, ils ont dit subconscient, mais je pense que c'est une traduction du fait que ce sont des cliniciens américains. L'anxiété causée par la confusion de l'identité sexuelle et l'ambivalence des sentiments a envahi le contenu des œuvres, sans pour autant en diminuer la qualité esthétique. D'habitude, John donnait un titre à ses œuvres après les avoir achevées et souvent il les commentait. John a peint 7 tableaux durant son hospitalisation et 9 tableaux pendant son traitement ambulatoire. Nous avons reproduit 10 de ses œuvres. Alors on peut regarder un petit peu comment ils analysent ça. Voyons, rions un peu. Qu'est-ce qui est dit de celui-ci, par exemple, qui est la planche 7?
Comme ça, on va voir comment fonctionne un analyste d'une image dans un cadre clinique à ce moment-là. Dans cette peinture, au centre de laquelle apparaît son autoportrait, l'auteur a dépeint la tentative du psychothérapeute de gagner accès à ses pensées les plus secrètes. La fragmentation de cette œuvre révèle bien l'agressivité et l'aliénation de l'artiste. Je vous laisse juge de ce que nous sommes en train de regarder. Son autoportrait se résume à une tête rouge isolée, aux traits figés, dont les yeux ne sont que des trous noirs. Là, on est vraiment dans la surinterprétation. Le jeune homme utilise un pinceau très épais qui lui interdit pratiquement le détail. Il a choisi un pinceau large qui s'écrase avec des grosses charges. Et vu la dimension de ce visage, il a choisi une solution plastique à la fois simple et élégante qui produit un effet d'ombre sur ses yeux, desquels il serait vain de chercher deux trous noirs comme réponse à un problème psychique. Hein. Franchement. L'absence de corps signifie que le peintre tente de se soustraire au sentiment d'anxiété provoqué par la confusion de son identité sexuelle. La grande clé verte, que vous voyez là, dans la partie supérieure gauche, complète l'équilibre graphique de la composition. Le fond décoratif est fait de coups de pinceau aux couleurs vives. Alors, ce ne sont pas des coups de pinceau aux couleurs vives, ce sont des entrelacs végétaux qui sont au carrefour des clichés du début des années 70, entre un renouveau du végétalisme qui va envahir l'affiche psychédélique, par exemple, qui va revitaliser l'Art Nouveau, par exemple, de Mucha ou ce genre de choses, et une bonne grosse tête bête au milieu d'une image. C'est non seulement la base, je dirais, de nombreuses compositions de surréalistes débutants de cette période, mais le jeune homme ayant lui-même appelé cette planche la clé de mes pensées, on peut aussi y voir une certaine faiblesse, une certaine lourdeur, tout simplement, une clé, une tête. Bon, c'est pas. Il a 15 ans. Voilà. C'est pathétique. L'analyse est vraiment pathétique. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir ce que ça veut dire. On ne voit que ce qu'on veut voir. Alors, on peut en lire un deuxième, hein, juste pour le plaisir. La nuit. Ça s'appelle. Par cet autoportrait symbolique, alors je ne sais pas si c'est John lui-même qui a employé ce terme, hein, John essaie d'exprimer son existence tourmentée. Son commentaire. Bon, voilà, on va rentrer directement dans le commentaire de John, en n'oubliant pas que John a une perspective personnelle, un certain regard sur sa situation. Il se pense comme artiste. Donc, en cela, le discours doit aussi être écouté à l'aune de cette relation de cet enfant avec le monde des images, avec ce qu'elles peuvent faire selon les moyens qu'ils se donnent pour les faire et l'idée qu'ils s'en font, desquels on ne va pas pouvoir extraire non plus les inévitables clichés dans lesquels est prise la formation artistique d'un jeune homme. Hein? Voilà ce qu'il dit, John. Les champignons vivent dans l'obscurité comme moi. La lune représente mon désir de me droguer afin de m'échapper de ce monde. Comme on le comprend, et de choisir des champignons également, du coup. Afin d'échapper à une existence solitaire et indigne de l'homme, John s'est réfugié dans un monde impersonnel, froid et ténébreux, privé de la chaleur même et de la force symbolique d'un soleil paternel distant. Un soleil paternel distant. Alors, on est en pleine nuit. Cette image présente une tentative par un enfant de 15 ans, avec les moyens qui sont les siens, de représenter les cratères de la Lune. Et l'analyste nous parle du soleil paternel distant. Je vous laisse juge de la capacité extraordinaire d'un clinicien à ne voir que ce qu'il veut voir. Quand un adolescent lui dit lui-même qu'il représente la nuit, quand tout dans cette image représente la nuit, qu'il veut quand même y voir un soleil paternel distant. Ok. Eh bien, c'était pas mal, ça. Alors, on en a appris un peu sur le travail de John, qui est pas toujours. Il y a des choses jolies, hein, quand même. Bon, là, j'avoue, les champignons et le travail en noir et blanc tout à l'heure, je trouvais ça assez cool. Voilà. Intéressant, non? Allez.
Juste pour le plaisir, j'ai sorti ce cahier. Il va pas forcément être très utile pour beaucoup d'entre vous, puisque le cas Aloïse est un cas. William dit, ce clinicien est un créateur, c'est un artiste. Oui, il a une capacité de projection imaginative paranoïde tout à fait stupéfiante. Il y a chez ce clinicien une idéation paranoïde. Il faudrait qu'il vienne nous voir, hein, faire un petit peu d'art-thérapie. Hein. Tu t'inquiètes pour John qui a été entre ses pattes. Mais on s'inquiète tous pour John, ce jeune hippie sympathique, un peu, qui a eu le malheur tout simplement de naître au Texas. Pas de bol. Donc le cas Aloïse est très bien documenté, bien renseigné, puisque c'est une artiste qui a été beaucoup mise en valeur par Dubuffet et Thévoz. Donc elle est très connue, ses œuvres sont très connues, il y en a énormément à Lausanne, au musée d'art brut. Donc ça va être un plaisir de revoir un petit peu des travaux d'Aloïse, dont certains et certaines d'entre vous connaissent, je suppose, déjà un petit peu quelques images. Et on va regarder ça ensemble, on va regarder quelques belles images d'Aloïse, tout en lisant ce texte qui est du docteur Steck, qui lui est l'ancien directeur de la clinique psychiatrique universitaire de Lausanne. Voilà. L'expression art psychopathologique est aujourd'hui contestée. D'une part, la notion d'art est controversée. D'autre part, la psychopathologie et la psychiatrie, et plus spécialement la schizophrénie, sont mises en question. Il a raison, l'expression, la notion d'art est controversée. Alors, elle est multiplement controversée dans les années 70. Donc, le texte est de. C'est un texte récent par rapport à la publication, c'est un texte qui est de 72 et le cahier Sandoz est un cahier de 73. Vous savez très bien que la plupart des avant-gardes des années 70 développent, après, c'est pas la première attaque du genre, il y a eu évidemment Dada dans les années 20 et dans les années 70, un grand nombre de mouvements artistiques travaillent de façon radicale, expérimentale, à détruire la notion art en tant qu'elle est une notion problématiquement, historiquement, substantialisée par la bourgeoisie et dévorée par les vieilles esthétiques, c'est-à-dire un certain rapport institutionnel à la beauté. Donc évidemment, la notion art est contestée sur ce plan et elle est, on pourrait dire, éminemment contestable dans la durée. Je vous les ai déjà dit, mais je vous le répète, c'est vraiment une notion qui me semble importante. Je vous l'ai dit en mes termes, parce que je ne vois pas comment le dire autrement, mais fondamentalement, l'art est une position conservatrice de son statut et complètement révolutionnaire de sa définition. Elle doit être conservatrice de son statut pour pouvoir être révolutionnaire de sa définition. Ce qui fait que l'art est contesté en tant qu'étendu, parce que contestable en tant qu'étendu dans la durée, il est fondamentalement, inlassablement redéfinitionnel à chaque nouvelle perspective proposée pour l'habiter. Donc notre psychiatre semble au courant des difficultés que ça pose, et notamment dans un cadre psychiatrique. Et quand il dit que la psychiatrie est elle-même remise en question, c'est qu'on est en pleine période de l'antipsychiatrie, évidemment. Il est cependant certain qu'on ne peut plus dénier une valeur artistique à certaines grandes créations de malades mentaux. Je dirais, comment le pourrait-on? Posé en ces termes, ça n'a aucun sens de se poser la question. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas accès au diagnostic de tous les artistes que nous aimons. Moi, je suis un grand admirateur de Lorenzo Lotto. Je ne me questionne pas sur son statut psychique. Je ne me demande pas si Lotto, et je n'ai pas les moyens d'avoir accès à ce renseignement, si Lotto était paranoïaque ou pas. En dehors du fait que je m'en bats complètement les steaks, il y a aussi ce fait très simple, c'est que nous observons des milliers et des milliers d'œuvres d'art sans avoir le moindre renseignement sur le statut psychique de leurs auteurs et de leurs autrices. Donc, de ce point de vue, non, on ne peut pas dénier une valeur artistique à certaines grandes créations de malades mentaux parce que la question n'a pas de sens, évidemment.
Mais il faut d'emblée relever que les vrais artistes sont aussi rares parmi les aliénés que dans une population dite normale. Je crois qu'on ne peut que suivre l'analyste qui est là. Nous comprenons de quelle langue il nous parle, lui. Nous sommes d'avis qu'on ne peut qualifier d'art n'importe quel gribouillage ou dessin malhabile d'un schizophrène. Ces productions représentent cependant un intérêt clinique et phénoménologique. Alors, là encore, la question est ouverte du vocabulaire de ce docteur-là, du docteur Steck, sans A, sus, quand il parle de gribouillage. Parce qu'il se trouve que le gribouillage fait partie de l'histoire de l'art, réellement. Alors, je pourrais vous sortir un bouquin parce qu'il y a une grande exposition qui est consacrée au paradigme épistémologique que nous propose le gribouillage comme acte artistique. Et je ne sais plus où elle a eu lieu. J'ai chopé le catalogue qui est énorme et très bien documenté. Et je pensais faire un live là-dessus, sur le gribouillage à proprement parler. Mais gardez en tête cette idée, c'est que d'une part, gribouillage est une notion également contextuelle. On n'appelle pas Scarboccio ou gribouillage à la Renaissance, la même chose qu'on le ferait aujourd'hui. Et d'autre part, dans les années 60-70, il y a une habilitation, je ne dirais pas une réhabilitation, il y a eu plusieurs histoires de l'habilitation du gribouillage et de son statut, hein, par de grandes quantités d'artistes, le plus célèbre d'entre eux étant évidemment Saïd Twombly, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Donc, quand il dit, nous sommes d'avis qu'on ne peut qualifier d'art n'importe quel gribouillage ou dessin malhabile d'un schizophrène. Il faudrait savoir de quoi on parle, non pas quand il parle de schizophrénie, là je pense qu'il sait de quoi il parle, mais quand il parle de gribouillage, peut-être le sait-il moins bien. Notre étude, et puis d'autre part, hein, gardons bien en tête la capacité de renversement que toute œuvre, peu importe les conditions psychiques dans lesquelles elles sont produites, que toute œuvre porte en elle, d'accompagner les productions qui suivent vers des nouvelles modalités de construction et de dessin. Donc c'est assez important. Que dit Suze, un vrai artiste, il prend une feuille de papier, il trace des traits dessus, mais c'est un vrai artiste, tandis que celui qui prend une feuille de papier et trace des traits dessus, c'est un faux artiste. Suze, tu as osé une référence aux inconnus. Quelle honte! Quelle honte! Quid des vrais et des faux artistes qui font des poids plutôt que des gribouillages. Il y aurait beaucoup à dire sur la typologie graphique et ce qu'elle représente comme fantasme. Le gribouillage, c'était une question qui occupe beaucoup l'esprit, par exemple, de Aristote quand il parle de la peinture et de la couleur. Ça veut dire que c'est des questions qui existent depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire prendre forme et à partir de quand on considère qu'on a affaire à une forme ou pas? Notre étude sur Aloïse est un hommage à une malade qui, comme Wolfli, très célèbre aussi, hein, a vécu à une époque où il était de rigueur qu'un sujet atteint d'un mal chronique passât sa vie dans un asile. Mais malgré sa grave maladie et la privation de liberté, elle a su créer une œuvre unique. Alors, le malgré sa grave maladie, on est en droit de se poser la question de ce que ça veut dire. Car la maladie en question n'est pas à côté de la pensée d'une artiste schizophrène, elle est cette pensée également. Elle est absolument, strictement superposable à toutes les modalités de sa subjectivation. On ne peut pas dire qu'elle travaille malgré son mal chronique. Son mal chronique n'est pas un à côté de sa vie. On ne peut pas non plus postuler du moment où le mal chronique et la partie la plus opératoire de son travail ou pas, parce que tout ça impliquerait une capacité à disséquer, à séparer quelque chose de l'activité psychique du sujet, ce qui évidemment n'a pas beaucoup de sens. Lorsque nous contemplons le bel album Expression plastique de la folie du professeur Volma, il nous paraît permis d'affirmer que le tableau numéro 6, une peinture d'Aloïse portant le titre Mary Stuart ou le collier en serpent, est-ce que c'est ça?
Non, c'est pas ça, mais on trouvera sans doute parmi tout ça. Émergent nettement des autres productions pour se hisser au niveau d'une véritable œuvre d'art, d'une valeur intrinsèque. Ce qui a été le but visé par les artistes du groupe surréaliste fut atteint tout naturellement par Aloïse. Elle est dans son élément, dans le monde du subconscient, des légendes et des mythes, dans les rêveries et les symboles, l'irrationnel et le fantastique, un monde toutefois qui, chez Aloïse, est nettement lié à ses idées délirantes. Là encore, on doit beaucoup questionner ce qui vient d'être dit là, parce que ça laisse supposer qu'il y a des branchements, des connexions plus immédiates et plus lisibles entre l'expansion de ce champ et le moyen de l'atteindre, comme si, au fond, l'inconscient du sujet qui peint une toile pompière n'atteignait jamais la surface du tableau. Tout ça parce qu'une certaine couche de polissage académique et d'usages sociaux viendrait d'une manière ou d'une autre répondre à la catégorie sociale à laquelle il appartient et l'y nouer complètement. Vous voyez bien toutes les limites qu'il y a évidemment à aborder la chose de cette façon. Ça n'a pas beaucoup de sens et en plus c'est soluble dans le temps. Il me semble par exemple que ce qu'il vient de dire d'Aloïse est tout à fait capable et tout à fait utilisable pour parler des relations que Victor Hugo entretient avec ses aquarelles ou que William Blake entretient avec sa peinture, sans trahir quelque chose de l'inconscient de l'une ou de l'autre. Par contre, on entend bien la série des clichés dans lesquels le statut d'œuvre d'art dont nous parle le clinicien est atteint selon certaines conditions seulement et avec un régime de correspondance qui lui paraît satisfaisant pour penser avoir là plus affaire à quelque chose du vrai ou de l'authentique. Alors, il ne fait pas de doute que les méthodes par lesquelles le groupe surréaliste a tenté une approche étaient viciée sur le fond, mais elle venait simplement, essentiellement, d'une compréhension légère de Breton et ses amis, de la question de l'inconscient et du freudisme en général, bien plus que des moyens que, je dirais, qu'ils auraient pu se donner en tant qu'artistes pour poser cette question. Il ne fait aucun doute, par exemple, que, à mes yeux, que les choix proposés par l'école expressionniste allemande de Die Brücke, d'abdiquer au maximum la série de gestes cultivés, je ne parle pas de la culture de leurs sujets, sont les sujets aussi cultivés, enfin les sujets des tableaux, hein, sont aussi cultivés que n'importe quel sujet de tableau cultivé, mais leur mode d'approche de la peinture, libéré de toutes les couches de polissage de la pratique picturale, des usages qui sont mis en branle par l'art contemporain, propose, ni plus ni moins, un affleurement, une immédiateté, en tout cas, de la vie psychique, qui vaut bien celle d'Aloïse. Il y a, je dirais, fondamentalement un problème de fond à supposer que, au fond, ce qui caractériserait la justesse de cette éclosion soit juste un problème d'ajustement culturel. Il y a des approches éminemment cultivées également d'une libération de gérer de son fonctionnement psychique et qui ne passe pas nécessairement par, par exemple, par la série des évidences qui sautent aux yeux de ce clinicien pour que cet événement ait lieu. Alors, j'ai vu une question passer. Je vais essayer d'y répondre. Il faut juste que je sache. Ah, je vous ai refoutu le test. C'est pas ce que je voulais. Dans le chat. Alors, JB, pianiste. Salut JB. Bonsoir tout le monde. Désolé peut-être de poser une question déjà posée. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que lit l'aile de Mars précisément? Ouais, je vais répondre pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Mais je lis une série de cahiers qui sont produits par les laboratoires Sandoz, qui sont assez passionnants, qui touchent à la psychopathologie de l'expression, qui sont à chaque fois l'étude d'un cas clinique par un clinicien, et une série de planches et de tableaux d'un patient dont on observe les tableaux à l'époque, à ce moment-là, sous le regard d'un clinicien, avec sa méthode, son approche, sa vision de la psychiatrie, etc. Ah bah Suze avait déjà répondu. Merci Suze, c'est très gentil. Et tu as fait un calembour que je n'ai pas vu passer, je suis désolé. Alors, que nous dit encore monsieur le docteur Steck? L'œuvre d'art est un monument de la magie.
Par une opération magique, le schizophrène cherche à se créer un monde où il peut de nouveau vivre. Alors, on pourrait rire de ce romantisme qui jaillit là, mais pas tout à fait. La question est juste de se demander qu'est-ce que la magie à proprement parler, et de voir que, fondamentalement, effectivement, il y a quelque chose dans le processus opératoire de l'art en général qui est proche du désir qui habite la magie. Je pourrais résumer ça de façon assez simple. Il s'agit d'un transport de puissance dont on ne connaît pas les causes, en garantissant par tous les moyens artistiques possibles d'en maintenir pourtant les effets. C'est ce que fait la magie, et c'est, à leur manière, ce que font aussi les œuvres d'art. Un transport de puissance dont on ne connaît pas les causes, mais en en maintenant au maximum les effets. Tu te méfierais d'un collier en serpent. Ouais, c'est pas ouf, Suze, hein. Je t'ai connu plus en forme, hein, quand même, hein. C'est pas fou, hein. On attend mieux. André Malraux a bien compris la création artistique des aliénés en écrivant. Ce serait un scoop, hein, que André Malraux ait bien compris quelque chose. De toutes les expressions plastiques de l'élémentaire, celles du fou sont les plus virulentes par l'angoisse qui les anime, les plus troubles par leur mélange de calligraphie et de fureur ligotée, et peut-être les plus révélatrices de nos équivoques. Alors, les plus virulentes par l'angoisse qui les anime, c'est bien probable, oui. Bien que l'interrogation et la manifestation des angoisses dans le monde pictural aient connu plein d'aventures possibles, qui passent pas forcément par la disparition des, on va dire, des soupapes de sécurité psychique. Peuvent passer par plein d'autres formules, hein, plastiques ou symboliques ou interprétatives, etc. Les plus troubles par leur mélange de calligraphie et de fureur ligotée, c'est pas complètement con, parce qu'il y a une des choses qui n'est plus vraie, hein, mais parce que tout simplement les œuvres d'art ont changé, les pratiques artistiques ont énormément changé depuis les années 70, mais la coupure, à la fois épistémique, symbolique, sociale, représentative et idéative, qui peut exister entre le monde dit du discours, de l'énoncé et de l'écriture, et celui de l'image, a toujours été vécue comme une sorte de violence. Déjà, c'est une violence, on va dire, dans l'historicité du sujet, puisque dans l'historicité de tout sujet qui passe par la case de l'école, on apprend plus ou moins en grandissant que dessiner c'est bien jusqu'à un certain âge, mais que dès qu'on sait écrire, c'est plus la peine de continuer, on peut arrêter. Comme s'il existait un état de supériorité évident dans la capacité énonciative du sujet, je parle du fait que le sujet s'énonce à lui-même, du discours verbal par rapport à l'image produite. Mais c'est le produit de plein de clichés et de confusion qui laisse supposer d'une part que les deux modes d'idéation, de formulation, de création de forme, de subjectivation sont au fond le même tropisme, la même direction, et soumises tous les deux à la notion évoquée tout à l'heure par l'autre clinicien de communication, un vouloir dire. En omettant complètement que vouloir montrer n'est peut-être pas du même ordre que vouloir dire. Cette séparation, donc, elle est hiérarchique dans notre histoire, histoire personnelle et histoire tout court. Elle fait partie de l'histoire de l'art. C'est elle qui a beaucoup campé la différence qu'on a pu établir à travers les siècles entre couleur et dessin, par exemple, rabattant le dessin sur le domaine du discours et la couleur sur le domaine du charnel et de l'affectif, voire donc du subalterne par rapport au dessin. Ce sont des enjeux qui sont présents dans les querelles des coloris à travers l'histoire, que ce soit à la Renaissance ou au XVIIe siècle à l'Académie des Beaux-Arts. L'idée de cette séparation est si forte que quand texte et dessin
sont composés ensemble à la période médiévale, s'y créent effectivement, a priori, des liens de subordination. Mais je dis bien a priori, car quand on observe l'art des enluminures dans lesquelles apparaissent des phylactères, on comprend assez vite que les artistes ont souvent joué de cette ambiguïté statutaire entre images et textes et ont largement outrepassé cette séparation. C'est vrai que dans l'art des Gifu, cette différence statutaire saute souvent, le verrou saute, et il saute, je dirais, il saute comme les limites corporelles du schizophrène, par exemple. D'une manière générale, les limites corporelles qui touchent un grand nombre de psychoses par lesquelles le sujet avance dans le monde avec une certaine porosité de son propre corps, de sa propre membrane à la totalité du monde. On peut imaginer que c'est quelque chose de cet ordre-là qui fait sauter le verrou entre écrire et dessiner, entre peindre et poser un graphisme scripturaire dans un grand nombre de travaux psychotiques. Alors, dommage qu'on n'écrive pas avec des hiéroglyphes, on n'aurait pas eu cette distinction entre écriture et dessin. Ouais, je ne connais pas de texte théorique égyptien, mais oui, qui dirait comment on considère ces nuances, comment on les approche. Mais en tout cas, en Occident, ces questions sont très tranchées. Et elles font partie de notre histoire, elles font partie de l'histoire de l'art. J'ai une fois proposé d'étudier le délire comme pathologie de la faculté créatrice. Dit le clinicien. Ça, c'est pas inintéressant parce que qu'est-ce que c'est délirer? Sinon, ne poser aucune hiérarchie dans la prolongation des idées. Et en soi, c'est une demande que les artistes se font à eux-mêmes de considérer qu'il n'y a pas lieu dans la production d'établir des hiérarchies strictes entre l'anodin et le fondamental. C'est, en sa manière, ce que le délire fait. Alors, des psychanalystes contemporains, comme Malval, ont beaucoup dit que le délire était une tentative de guérison. Donc, quand il dit que le délire est une pathologie de la faculté créatrice, on pourrait plutôt dire que, au même titre que tout à l'heure, on parlait des barrières sociales qui faisaient qu'un certain comportement gifu ici ne sera pas gifu là, eh bien, fondamentalement, un grand nombre de propositions artistiques, de choix artistiques, de comportements artistiques ont, avec le délire, avec les productions d'un esprit touché par une pathologie quelconque, ont en commun énormément de choses et ne sont distinctes la plupart du temps que par une réalité quantitative et pas une réalité qualitative. Et ça doit mettre en sans cesse, comment dire, on doit toujours garder en tête que notre aptitude à juger de la situation du délire, va aussi dépendre du cadre qu'on lui donne pour le penser comme délire ou pas. Et ça n'est pas si simple. C'est pas si simple d'avoir une considération tranchée sur une forme de, on va dire, d'ivresse du sens qui appartiendrait ici au domaine du poème. Et là, au domaine de la pathologie. Ce qui peut nous en instruire, au mieux, c'est l'état de souffrance que ça peut provoquer chez un sujet, le caractère irrépressible et l'absolue perte de contrôle, par exemple, sur l'extension du délire. Et là, on peut commencer à entrevoir quelque chose comme une différence. Mais c'est assez vacillant, finalement, cette nuance. Il faut garder en tête toute la porosité de cette membrane entre le dit fou et le dit pas fou, jusque dans la manifestation du délire. Karl Jaspers a dit, le délire dans son élaboration devient une création de l'esprit. C'est assez juste, effectivement. On peut regarder le délire comme
une production créatrice, à ce détail près, qu'il y a un grand nombre de cas où elle peut se retourner contre le sujet. Alors elle se retourne contre lui socialement, évidemment, puisqu'elle elle le maintient dans un état où il prend le risque, bien malgré lui, de ne plus être entendu et compris de son entourage, et contre lui aussi parce qu'elle a ce caractère inarrêtable. Jacob Wirth, dans sa profonde étude sur la personne du schizophrène, écrit: dans cette création du monde propre schizophrène, à laquelle ne parvient pas tout malade, il apparaît quelque chose qu'on conteste à la schizophrénie lorsqu'on se place au point de vue de l'être bien portant et de ses exigences, mais qui est cependant bien réel, c'est-à-dire la capacité de créer. Pourtant, le schizophrène ne crée pas intentionnellement et selon un plan, mais parce qu'il doit, forcé par la rupture de la continuité de son vécu, par la poussée de l'inconscient et par l'ébranlement de son existence. Dit comme ça, on pourrait dire oui, voilà la nuance, peut-être qu'on la tient. Mais en fait, pas. On peut écouter Maupassant, ou on peut mieux encore écouter Bataille quand Bataille dit: il n'existe aucune grande œuvre qui ne se soit imposée à son auteur. Il doit faire ce qu'il fait. Je ne connais pas un artiste qui soit réellement un artiste, qui ne dise: il faut absolument que je finisse ça. Je dois aller au bout de cette idée. Je ne peux pas m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup à faire. Cette injonction, elle vient vraiment du plus profond de la connexion de soi à son œuvre, et elle ne souffre aucune limite. En ce point, on voit que là encore, c'est un peu rapide de juger la question du devoir, du fait de devoir, comme simplement du côté de la schizophrénie et du délire. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas juste. Quand Deleuze parle des artistes et de leur vision, il dit quelque chose de précieux également à ce sujet. Nous avons pu montrer, dans quelques cas, comme une attitude ludique et ironique, tout comme le délire créateur, peut conduire vers une sorte de réaction contre la maladie et finalement aider le malade à sortir de son attitude agressive et à s'intégrer dans la vie de l'asile, comme ce fut le cas pour Aloïse. Vous empêcher de vous nuire ou de vous abandonner dans le pire de vous-même, c'est aussi ce que l'art fait. Quand Wakamatsu dit: j'ai fait des films parce que si je ne l'avais pas fait, je serais devenu tueur de flics. Il ne dit pas autre chose que ça. Alors là, pour la petite anecdote, c'est très drôle, mais je sais pas si je vais déjà raconter ça, mais c'est assez marrant. J'ai lu ça dans un entretien de Wakamatsu, dont j'aime beaucoup le travail cinématographique. Et quelques années plus tard, dans un entretien avec Jess Franco, qu'est-ce que je lis? Je lis rigoureusement la même chose. Il dit: si je n'étais pas devenu cinéaste, je serais devenu tueur de flics. C'est assez extraordinaire quand même. Alors, Mad Monkey dit: il y a plein de gens qui présentent les artistes comme médium de l'œuvre plus que comme démiurge tout-puissant créant l'œuvre. Je vais réfléchir à ce que j'en pense. Je ne sais pas quoi en penser. Je connais plus l'autre, enfin le petit nom de Wakamatsu, Glitch. Donc, celui qui a fait quand l'embryon part braconner, ce genre de choses. Alors je maudis encore le mec qui est venu me parler dans la rue quand j'écrivais un poème, qui m'a pas lâché alors que je lui ai dit: j'écris un poème là, faut que je finisse de l'écrire avant de l'oublier, et qui m'a cité des vers pour faire le malin. Du coup j'ai foutu à la fin de mon poème à la place de la fin qui m'a fait oublier. Ah oui, c'est compliqué hein, de faire comprendre à quel point il y a un impératif catégorique derrière chaque œuvre. Aloïse C. est née le 28 juin 1886 à Lausanne, décédée le 5 avril 1964 à l'asile de la Rosière à Guimel. Son père était employé postal attaché à la ligne des chemins de fer Lausanne-Valorbe. Il buvait et était irascible. En 1919, il dut être interné à l'hôpital psychiatrique de Céry, dans un état dépressif, éclos sur un état de démence post-apoplectique, et il décéda peu après. La mère succomba alors à une infection cardiaque lorsque Aloïse avait 12 ans. Je vous fais défiler des images pour que vous ayez le plaisir de voir beaucoup de choses. Bonne soirée, maman. Ben, bonne nuit, dors bien. Aloïs faisait partie d'une... D'une quoi? Il manque un bout, là. Ah! D'une fratrie de 7.
une sœur plus âgée fut hospitalisée à Séré en 1933 pour une poussée paranoïde. Elle travaillait irrégulièrement et avait menacé sa logeuse et sa sœur, avec laquelle elle vivait, de jeter cette dernière par la fenêtre. Alors, quand on vit avec cette gosse dans un tout petit endroit, je sais pas, ça peut donner des envies de meurtre. Aloïse suivit les écoles de Lausanne et obtint un certificat de culture générale de l'école supérieure des jeunes filles. À l'école, elle reçut une fois un prix pour un dessin représentant un vase égyptien. Elle aimait la musique, faisait partie de la chorale de l'église et prenait des leçons particulières de chant. Elle était toujours très renfermée. Elle avait deux Espagnols comme amis, qui étaient ses voisines et qui avaient aussi perdu leur mère jeune. Elle n'entretenait aucune relation avec les jeunes gens de son âge. Pourtant, elle copiait, de son écriture claire, des cours pour des étudiants. Elle refusa les propositions de mariage d'un étudiant ingénieur grec. Alors, j'ai essayé de remettre la main sur... des poèmes de Aloïse, parce que Devos a réuni des écrits bruts aussi. J'ai un petit fascicule et je ne retrouve pas ça dans mon bordel. Je suis vraiment désolé, j'aurais aimé faire le double, que, enfin vous ayez la possibilité d'écouter ces poèmes tout en regardant ces images, mais c'est raté. Ce sera pour une autre fois, peut-être dans une de nos nombreuses lectures, je vous lirai du Aloïse. Et du Émile José Modinos, qui fait partie aussi de cette anthologie. Elle refusa des propositions de mariage d'un étudiant ingénieur grec. Sortant de l'école, elle entra à 19 ans comme volontaire dans un pensionnat vaudois, ensuite dans une famille avec deux enfants. Elle retourna à la maison, commença des études de langue et se lança aussi dans la propagande religieuse. À 25 ans, elle se rendit en Allemagne avec cinq autres camarades où elle fut placée comme bonne d'enfant par l'œuvre des amis. Tout d'abord, elle fut au service d'une famille noble habitant un château près de Leipzig. Elle y fit la connaissance du chapelain de l'empereur Guillaume II, qui l'engagea pour ses trois filles. Elle habita alors chez le chapelain, au châtelot de Sans Souci à Potsdam. Alors, ne me demandez pas ce qu'est un chapelain, je l'ignore. Où le style de vie était plus puritain et moins brillant qu'à Leipzig. Le dimanche, elle chantait des œuvres de Handel dans la chapelle du château pour l'empereur Guillaume II. En 1914, la guerre l'a surpris à Potsdam et elle dut rentrer en Suisse dans des conditions très difficiles. Rentrée à la maison, elle frappa son entourage par son mauvais état physique et sa personnalité altérée. Elle commença par écrire des manifestes religieux, déclarant qu'elle pouvait prêcher comme un pasteur, qu'elle avait la force de rendre les gens meilleurs. Elle prétendait être fiancée avec un pasteur lausannois, qu'elle n'importuna toutefois jamais personnellement. Elle était convaincue d'être enceinte. Plus tard, elle cria dans les rues qu'on lui volait ses enfants, son fiancé et qu'on voulait la tuer. Elle se mit aussi à faire de la propagande antimilitariste et végétarienne. Dans les journaux, elle lisait surtout les affaires criminelles et prenait parti pour les délinquants qui seraient, selon elle, les victimes. Une femme très avisée, en quelque sorte. Hein. Elle-même se sentait une victime et une martyre de la société. Dans une lettre, elle prenait parti, entre autres, pour l'assassin du préfet de Lausanne. Alors, Samoussassin, en fait, il se trouve que Jess Franco et Wakamatsu, pour ce que j'en ai compris, n'avaient aucune chance de se connaître l'un l'autre. Donc je pense que la chose bizarre, c'est qu'ils aient fait tous deux cette déclaration sans connaître celle de l'autre. La même déclaration. Le 18 avril 1917, elle adressa au prince de la paix, l'empereur Guillaume II, la missive suivante. « Majesté, lors de mon court séjour à Berlin, je me suis familiarisé avec la simplicité d'un empereur dont le trône m'écraserait s'il n'était pieux. J'en appelle donc à votre condescendance pour lui communiquer franchement ma pensée, ainsi qu'à un cher confesseur et protecteur de la Suisse. » Et elle termine avec ce salut poétique. « Pourquoi donc, en évoquant votre souvenir, est-ce que je vibre comme une cloche au moment des épousailles d'anges ? Mourant lentement d'un amour ineffable qui me suggère votre regard splendide rencontré par hasard à la revue de Potsdam, vous étiez étincelant des pieds à la tête, divinisé par le rayonnement sublime de votre visage. Ma paupière décemment se baisse, votre regard éblouissant laisse une empreinte noble et sacrée, profonde, pure et azurée. Dans mon pauvre cœur, sa majesté, douceur, me scelle l'âme pour la vie. Ô mon Dieu, j'en suis ravi. » Elle commence à te plaire beaucoup, Aloïse, dit Suze. Oui, antimilitariste, du côté des délinquants, végétarienne, elle ne peut que te plaire.
Durant toutes ces années, jusqu'à son hospitalisation, elle ne travailla d'une façon régulière que peu de temps, dans un magasin de la coopérative. Elle croyait que sa sœur la volait, que son père voulait la tuer. Aloïse restait à la maison, aidant dans le ménage, aidant aussi un peu ses sœurs couturières. Mais surtout, elle se mit à écrire beaucoup. Elle restait pendant des heures dans un coin, à méditer, à prier. La nuit, elle se levait parfois et allait embrasser son père ou l'injurier. Comme son comportement devenait une charge toujours plus considérable pour son entourage, qu'elle devenait agressive et grossière, la famille demanda l'admission d'Aloïse à la clinique psychiatrique de Céry, où elle entra le 20 février 1918. Bon, à l'époque, hein, quand on rentre à l'asile, généralement, on n'en ressort pas. À la clinique, elle fut d'abord tranquille, très modeste, effacée. Alors, je peux vous la montrer, elle est là, Aloïs. On la voit là, en train de peindre. Hein. Ah, c'est con, il n'y a pas vraiment assez de lumière, je peux faire. Je peux pas faire grand-chose, je suis désolé. Dans ces énoncés dissociés, on reconnaît surtout des idées délirantes d'ordre mystique et des idées de grandeur. Elle se nomme elle-même « Empereur de la paix » et appelle le directeur de la clinique, le professeur Mahem, « embryon de la gloire du monde avec richesse de la vie de famille ». En 1919, elle écrit le billet suivant, décoré d'un beau dessin représentant soit un camélia ouvert, soit une vulve, au professeur Mahem. « Votre bonheur, comme autrefois, il n'y a pas de jour ou de nuit où sa prière qu'elle vous réclame. Demande un enfant de votre sang de pacifiste. C'est ainsi que Dieu forge une âme. Au revoir Lulu, en piédestal. Ce genre d'accolade détermine la paix et immortalise le monde. » Alors le diagnostic fut établi, enfin, démence précoce paranoïde. En octobre 1920, Aloïse fut transférée à l'asile de la Rosière, à Guimel, près de Rolles, établissement nouvellement ouvert, dépendance de la clinique universitaire de Céry. On observa surtout, dans les années 1922-1923, des états d'excitation érotique accompagnés de propos obscènes, son agressivité se dirigeant surtout contre le médecin. Elle développa une graphomanie presque illisible, en même temps ses expressions verbales devinrent de plus en plus incompréhensibles. Son écriture en 1918, encore modeste et régulière, devint irrégulière et grossière. Sa logorrhée se réduisit bientôt à un murmure. Mais elle s'était bien adaptée à la discipline de l'asile, elle s'occupa toujours plus régulièrement de travaux de couture et de repassage. Elle n'entretenait aucun contact avec les autres malades, ne supportait pas leur présence lorsqu'elle travaillait. Toutefois, elle était polie envers les infirmières, aimait surtout l'infirmière en chef, Mademoiselle Hyersin. L'activité artistique d'Aloïse se développa peu à peu. Attendez, je vais vous montrer celui-là qui est dans un autre sens, qui est particulièrement beau. Voilà. Et devint par une impulsion une véritable occupation de toutes ses heures de loisirs. Elle peignit des centaines de tableaux. Or, ce qui était curieux, c'est qu'elle s'en détachait très vite pour pouvoir en créer de nouveaux. Alors, de ma part, je dirais que ça n'a pas grand-chose de curieux. Ce qui peut nous garantir l'attachement réel d'un travail d'une artiste à son art, c'est effectivement que, au fond, je pense que c'est une chose qui est assez difficile à comprendre de l'extérieur, mais qu'il est bon de dire, au fond, parce que, justement, c'est mal perçu comme ça. Pour les artistes, les œuvres n'ont pas beaucoup d'importance en soi. Elles sont la trace testimoniale de ce qui a précédé. Et c'est cette chose qui a précédé qui est importante. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Et quand je dis ça, c'est à la fois dans le fait d'amener à sa vision, à la vision que l'on a de son travail, un certain nombre de conditions pour qu'il puisse advenir, mais c'est aussi l'ivresse des moyens pour le faire. Cette ivresse, elle est irremplaçable. Ça ne veut pas dire qu'elle soit forcément joyeuse. Ça peut être une ivresse douloureuse. Mais une chose est certaine, c'est qu'un trait de crayon, une touche de pinceau, ce sont des trajets. Et artistiquement, la puissance et l'intérêt de ces trajets l'emportent sur ce qui pourrait en résulter. Donc, accorder peu d'intérêt finalement à la chose finie, ça n'a rien de si étonnant.
Elle les distribuait très généreusement au personnel, aux médecins et aux visites. Nous avons eu la chance que deux de nos élèves s'intéressent spécialement à Aloïs. Le docteur Jacqueline Porret-Forel, auteur de la première étude sur Aloïs dans sa thèse de doctorat. Le docteur Alfred Bader, auteur du premier film sur Aloïs. Et de nombreuses publications et expositions qui ont fait le renom d'Aloïs dans un vaste cercle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au début du XXe siècle. On est à un moment dans les avant-gardes du XXe où la profusion tendancielle des œuvres va clairement, au moins pour un certain nombre de mouvements artistiques de cette époque, vers déjà un détachement de la profondeur au profit de la surface. C'est très remarquable chez Matisse, par exemple, c'est-à-dire la surface comme vraiment lieu d'expansion, territorialisation des gestes, mais aussi un certain fauvisme général qui touche autant les écoles expressionnistes que finalement les écoles dans les années 20 qui commencent à tendre vers ce qu'ils appellent une abstraction. Donc, pourquoi je dis tout ça? Je ne dis pas ça parce que Aloïs serait cultivée de ce qui se passe là, je n'en sais rien. C'est pas très important de le savoir. Mais ce qui est important, c'est de se demander pourquoi, alors que des centaines de patients produisent des dessins et des peintures à ce moment-là, pourquoi Aloïs a su tout de suite attirer l'œil et l'attention des cliniciens qui l'entourent. Elle est peut-être sauvée par les images de son temps, dans lesquelles les cliniciens veulent bien reconnaître les signes de la garantie d'une artisticité. C'est triste à dire, mais il dispose d'assez peu de moyens. On a bien compris quand on entend ce clinicien-là, dans ce texte-là, parler de gribouillage au début pour d'autres dessins de schizophrènes. On comprend bien que le regard qu'on va porter sur les œuvres des dix fous dans un cadre psychiatrique est énormément orienté par le dernier état de l'image au moment où on les regarde. Donc l'indulgence dont il était fait question dans le papier précédent repose aussi beaucoup sur un certain nombre de conventions qui sont liées au dernier état de l'art. Perso, quand j'ai fini un truc, nous dit Mad Monkey, que ce soit un graphisme pour un job ou un truc plus perso que je garde pour moi, j'ai même du mal à le voir. Ah ben, je comprends. Tiens, du point de vue de cette... Alors pourquoi on fait pas une œuvre, mais plein d'œuvres? Si telle était la question, si c'était juste un petit problème de communication. C'est que fondamentalement, faire une image, c'est pas un même problème que dire un truc. Et d'une certaine façon, il n'y a pratiquement que de la déception possible quand tout est tendu vers une vision si lointaine finalement. Et souvent indicible. C'est pas parce que Deleuze emploie le terme de vision que cette vision s'accompagne d'une capacité à la formuler, à l'énoncer et à la décrire. Elle garde sa distance infiniment. De cette manière, il y a, on pourrait dire, dans ce qui se développe du travail plastique, l'angoissante tension d'une éternité. Jamais satisfaite, évidemment, puisque insatisfaisable en tant qu'éternité. Les premiers dessins d'Aloïse, je vous en montre un autre. Les premiers dessins d'Aloïse au crayon noir sont rigides et figés, ont un style byzantin ou égyptien. Là, je peux vous en montrer, on en voit un petit, là, un des premiers dessins d'Aloïse, où il y a beaucoup d'écriture sur le papier encore. Lorsqu'on lui donnait des crayons de couleur et du papier, elle se lançait avec un grand zèle dans son activité picturale. Elle travaillait très rapidement, mélangeait souvent les couleurs avec sa salive, devenant alors calme et détendue. Elle utilisa d'abord des cahiers de dessin, puis elle se procura du vieux papier d'emballage pour faire des tableaux plus grands. Lorsqu'on lui donnait du matériel neuf, elle collait ou cousait les grandes feuilles les unes aux autres pour en constituer des rouleaux de 7 à 14 mètres de long, peints des deux côtés, sans laisser un espace vide, créant de véritables scènes de théâtre. Donc il faut imaginer ces choses comme probablement très grandes. Je ne sais pas s'ils mettent les dimensions au dos. Alors, là, par exemple, on est sur du 1 mètre par 70 cm. C'est déjà un grand format, quoi. Toute l'évolution de sa production artistique est caractérisée par la tendance à la monumentalité. Chose que Morgan Halter a déjà signalée chez Wölfli.
Avec Binz Wanger, nous pourrions aussi parler de Verstiegenheit, autant pour ce qui est des dimensions que du contenu des peintures. Alors, il se trouve que là, Verstiegenheit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un peut traduire, je vais taper dans le chat, vous pouvez aller voir ce que ça veut dire en allemand. Verstiegenheit, Heit, c'est la chose, hein. Le fait de la chose, voilà. C'est souvent ce qui produit un substantif qui le finit, un concept. Autant pour ce qui est des dimensions que du contenu des peintures. L'ensemble de sa production révèle que le thème de son délire, le centre de ses pensées et de ses désirs est toujours l'amour, et surtout l'amour érotique. Les nombreuses inscriptions incorporées dans ses tableaux, comme sur des peintures du Moyen-Âge, bon ça c'est eux qui le disent, puisque le comme extravagance, dit Clint, d'accord. Ok, merci. Donc, ça reste à discuter, il faudrait qu'on voit quel statut elle donne à ses textes et comment ça dialogue avec les images avant de se livrer à des comparaisons un peu hasardeuses avec le Moyen-Âge. Car n'oublions pas qu'au Moyen-Âge, le texte de référence, qu'il soit inscrit ou pas, enfin, le texte de référence est un implicite. Il est toujours dans du déjà-su. On ne reproduit pas autre chose, somme toute, que des textes déjà connus de tous et de toutes. Indique que son érotisme est intimement lié à la mystique et au monde des grands. Donc ça, c'est sans doute lié à son passage dans la cour de Guillaume II. Hein. Son délire schizophrénique concrétise ainsi la grave perturbation de ses instincts, son insatisfaction sexuelle et érotique. On voit mal comment elle pourrait satisfaire son désir à l'intérieur d'un asile psychiatrique, en tout cas à cette époque. Le couple amoureux reste le thème principal, où la femme est proéminente dans son opulence, tandis que l'homme, sauf s'il est Guillaume II, Napoléon ou le pape, est figuré petit, comme consort, souvent enfermé dans un médaillon porté par le collier de la dame, ce qui nous montre la fine ironie d'Aloïse. Les inscriptions attestent qu'Aloïse s'identifie aux grandes figures tragiques des femmes malheureuses. Cléopâtre, Marie Stuart, Marie-Antoinette, Joséphine, l'impératrice Zita, l'impératrice Élisabeth d'Autriche, Marie Waliuska, Lucrèce Borgia, Ophélie, Manon Lescaut, etc. Effectivement, c'est que des tragédies. Les portraits sont schématiques, sans aucune ressemblance historique, sauf pour Napoléon. Je suppose que là, c'est Napoléon. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a un titre ? Non, il n'y a pas d'inscription. Mais bon, le bicorne nous laisse envisager qu'il s'agit probablement de Napoléon. La présentation de la femme est particulièrement impressionnante. C'est la grande dame, la séductrice. Les bustes richement ornés où s'étalent librement les seins nus, qui se transforment en roses et qu'Aloïse appelle rose lotus. Les organes génitaux extérieurs sont symbolisés par la fleur du camélia. La matrice est représentée par une corbeille de fruits ou un nid d'oiseau avec des œufs, révélant ainsi l'imagination débordante d'Aloïse. Là, on a des très joli moment d'invagination. On voit ici cette espèce de camé, comme il était dit, porté au cou du personnage féminin. Les attributs princiers, ici, une couronne. Mais la femme est aussi le sphinx, l'intouchable, et puis elle deviendra la magna mater, ou la grande Vénus, dans le seul nu qu'a jamais peint Aloïse d'une façon monumentale, 1 mètre de large sur 3,80 mètres de haut. Richement décoré avec trois seins, comme les statuettes des déesses hindoues. Ce tableau se trouve maintenant au musée des Beaux-Arts de Lausanne. De temps à autre, Aloïse peignait aussi la Vierge Marie, mais plus rarement. Ce qui nous frappe sur les visages, et ce sont les yeux, masqués par un loup, presque toujours bleu, rarement noir ou vert. Wolf Lioschi cachait les visages de ses personnages par un masque noir. Aloïse nous a déclaré « C'est horrible ces masques, ces difformes, je les décrocherai, je veux plus les dessiner. » Et pourtant, ils se sont imposés jusqu'à la fin de sa vie. Oui, c'est ça. En même temps, vu qu'elle ne vivait pas dans une joie débordante, c'est pas étonnant qu'elle soit identifiée aux figures tragiques, dit Mad Monkey. Dr. Wack qui disait que il ne finissait jamais rien. Ah, oh, mais vous avez causé, je vais quand même vous lire un petit peu.
Klitsch dit, personnellement, je me donne aussi peu d'objectifs que possible, je fais n'importe quoi, ce qui fait que je croule sous plein de micro-expérimentations allant de l'insipide au truc à creuser. Et puis parfois, il y a quand même quelque chose de précis qui s'impose pour que je le pose et ça me travaillera périodiquement jusqu'à ce que j'aie essayé de m'y appliquer suffisamment longtemps et plus ou moins sérieusement ou que l'imposition d'autre chose et sa pénibilité propre supplantent l'objectif précédent. Il y a de nombreux périls qui habitent le passage à l'acte artistique, et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui de la déception, qui est toujours au travail, qui est toujours à l'œuvre sous la proposition. Être à la hauteur de soi-même est réellement un des enjeux les plus compliqués à aborder artistiquement, et pourtant, la seule façon de produire artistiquement quoi que ce soit qui vaille, c'est la possibilité de trouver pour le faire une certaine légèreté. Je crois que le plus gros du travail artistique, le plus compliqué, c'est d'être légèreté, de cette légèreté. Être léger avec la notion du ratage, léger avec la question de la finition, de finir ou pas quelque chose. Et parvenir à trouver ce mouvement par lequel, au fond, tout geste par une œuvre n'est que momentanément interrompu et que ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. J'ai bien parlé de légèreté, je ne parle pas de frivolité. Hein. Mais quelle que soit la gravité d'une œuvre, pour l'accomplir, pour arriver à rompre cette inutile tension de surveillance de soi par soi, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Elle commenta un petit portrait dans lequel elle n'avait pas masqué les yeux comme suit. Je vois ce corps vivant et je dis, sortez de ce cadre. Aloïs projette ainsi dans ses personnages la rupture entre le réel et l'imaginaire. Il me semble qu'une des difficultés centrales à établir cette nuance aussi frontale pour le clinicien, c'est que précisément artistiquement, il se trouve que le réel est un imaginaire et que l'imaginaire est un réel. Salut Maxime, bienvenue à bord. Écoute, j'en suis ravi si c'est d'une certaine aide pour avancer. En revanche, je ne connais pas de méthode hein, pour atteindre cette légèreté. Il y a des processus de jeu qui peuvent être mis en place pour travailler. C'est pas facile d'être joueur, c'est sûr, quand la motivation à faire quoi que ce soit est cette fameuse tension qui vous oblige. Pourtant, il y a quelque chose du jeu qui pourrait ressembler finalement à la façon dont la mélancolie porte témoignage pour la mort. Mais il y a dans l'attitude mélancolique quelque chose qui, ayant trouvé finalement un certain point d'achèvement dans l'accompagnement de la mort, permet une certaine légèreté, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire comme un problème déjà réglé. Ah, pourquoi ton message a été supprimé? Je suis désolé, il y a le live, alors bien sûr, mais simplement de le réentendre suffit déjà à faciliter le process. Ah, c'est le mot process qui a été supprimé, Maxime. J'en suis désolé. Tous les mots qui sont abusivement employés par le vocabulaire de l'entreprise sont saccagés par mon bot que j'ai, de ce point de vue, assez sévèrement bridé. Donc voilà, entre ce que je pouvais dire tout à l'heure, des liens étroits. Qui peuvent exister hein, en écartant tous les clichés de romantisation entre ce qui se noue dans la souffrance psychique du patient dit fou et de la pratique artistique, il faut aussi peut-être ajouter ce lien avec la mélancolie. Voilà. Dans quel cadre Aloïs place-t-elle ses personnages? Elle nous le dit elle-même. Elle dessine les figures de son délire comme des personnages qu'elle a vus au théâtre. J'ai vu des personnages dans les théâtres et j'ai juré que je les représenterais. C'est là qu'on voit bien justement que cette question du réel et de l'imaginaire, elle n'est pas tranchée par l'idée d'une réalité factuelle, compositionnelle dans l'ordre du monde entre les deux propositions. Le fait que dans le théâtre, précisément, cette question soit centrale des nouages qui existent entre le public, les acteurs et la pièce, et fasse changer sans cesse, varier en tout cas les statuts du réel et de l'imaginaire, montre bien tout ce dont on parle. Le docteur Wack s'est aussi fait supprimer un message. Et c'est quoi celui-ci? Non mais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On peut citer le process de Kafka ici. Quelle bande de couillons. Le bot saccage.
Le langage entrepreneurial. Ah bah oui, non, mais t'as tapé entrepreneurial, ça peut pas marcher. Arrêtez de mettre les mots interdits. Sinon, je vais passer mon temps à essayer de savoir quelle connerie vous racontez. Mais son scénario est plein d'anachronismes. Elle prend la liberté de faire valser ses personnages comme cela lui plaît. Un temple d'amour style Louis XVI, le Trianon, la petite église de la Rosière, et naturellement, l'asile, qui devient un petit château. Alors, comment ça se regarde comme ça? Je crois que celui-ci est un grand format, oui, c'est ça, qui donne une petite idée de ces tableaux gigantesques qu'elle fait. Je crois que c'est celui-là qui doit faire 3 mètres. Ah, alors, on va le regarder ensemble. Alors, c'est un fragment d'un rouleau de 4,95 m, peint des deux côtés, chaque feuille cousue à l'autre, format 1,65 m par 58 cm. Donc ça, c'est fait dans les années 40. Il y a des inscriptions qui disent « Sirène voilée »,« Adriatica tend ses deux bras fleuris, carquois les mouettes, elle tient le roi dans la queue de la sirène, île de Napoléon ». On regarde ça ensemble. Voilà. Assez très grand, je peux vous le montrer que plié. Alors, que nous dit Glitch? C'est pour ça que je préfère les micro-expérimentations, alors que les autres, ça m'est lourdingue plus qu'autre chose, et que je fais ça dans mon coin. Je me vois pas approcher de près ou de loin le monde espace qui pourrait apporter et surajouter son lot de dates butoirs et autres pressions supplémentaires qui me donneraient des envies de distribuer des baffes à ces leux qui me les farcissent. Mais c'est compliqué, Glitch, ce dont on parle. La socialisation des œuvres, elle existe aussi chez Aloïs qui distribue ses dessins. C'est-à-dire que le devenir social d'une œuvre fait partie de cette tension. C'est toute la. Je dirais que c'est toute l'étrangeté schizée de la position artistique, au fond, dont l'idéalité sociale est en parfaite contradiction avec la réalité sociale du sujet qui travaille. Il y a authentiquement un certain enfermement de la pratique artistique, dont toute l'attention est la direction d'une idéalité sociale, c'est-à-dire d'un certain devenir social des productions. Garder l'attention dans un jamais vraiment là, c'est prendre le risque aussi de ne pas prendre au sérieux sa vision, c'est-à-dire la possibilité réformatrice du monde tel qu'il est, qui s'offre à quiconque approche la question artistique. Or, il y va du coup vraiment du sujet politique complet. Il me semble aussi important pour un artiste d'amener des œuvres à leur terme que de pratiquer la politique dans la rue pour les militants. C'est-à-dire, par exemple, je crois que tous les militants savent qu'il n'est pas très utile de faire des manifestations, mais c'est une urgence politique de le faire, qu'il n'est pas forcément très utile d'écrire des textes de gauche dans des revues de gauche, parce que seuls nos camarades vont les lire. Moi, je travaille dans des journaux anarchistes, je sais que ça n'a aucun sens. Je ne vais pas renseigner le monde sur quoi que ce soit, parce que tous ceux qui lisent ces revues savent très bien ce dont je parle et n'ont pas besoin d'en être renseignés. Pour autant, cette échéance-là est une nécessité pour la production. Et le devenir social des œuvres, quelle que soit la forme que ça prend, peu importe, qui n'implique pas qu'elle soit achevée au fond. Je l'ai bien dit, cette tension, elle est sur la durée continue de la perspective humaine qui fait produire des images, de la musique, ou peu importe quelles sont les manifestations formelles dans lesquelles on produit son travail artistique. Mais il y a un certain risque à n'y aller pas complètement glitch. Donc, c'est un risque contre toi-même, je veux dire. Cet excès de prudence ou cette. Qui n'est pas forcément de la pusillanimité, il y a plein de raisons pour ne pas y aller vraiment. Mais je pense que c'est sauter quelque chose à son devenir de le faire. Il y a un certain risque. Les moyens de locomotion qu'utilisent ces personnages sont particulièrement significatifs. Aloïse parle de corso fleuri. Il n'y a pas de rigidité catatonique. Nous trouvons des carrosses superbes, des chars à deux roues, des bateaux, des paquebots, des wagons, où les personnes se tiennent debout ou assises, dans lesquelles se déroulent des scènes d'amour. Les chevaux tirant les chars ont toujours une perspective très libre. La signification symbolique des petits accessoires, tout ce bestiaire d'éléphants, de chevaux, d'oiseaux, de paons en particulier, de papillons, mais aussi de sphinx et de sirènes, pourrait nous inciter à des interprétations psychanalytiques. À quoi je dirais, gardons-nous-en bien. Aloïs connaît la valeur symbolique et affective des couleurs.
Moi, je ne la connais pas, je ne crois pas qu'elle soit connaissable, mais bon. Le rouge, sa couleur préférée, a certainement une signification érotique, le bleu est tranquillisant, le vert est, comme elle le dit elle-même, spirituel et honorifique. Avec le temps, une certaine évolution s'est produite. Le rouge vif fit place à un rouge plus foncé, teinté de violet. Ce ton très particulier, elle l'obtenait en écrasant des fleurs de géranium et en mélangeant en couleur le suc des fleurs. Là où on trouve des personnes entières habillées comme la Sainte Famille ou la famille royale de Hollande, les tons de vert, bleu pâle et jaune pâle prédominent. Aloïse a dit une fois de ces personnages qu'ils n'osaient pas montrer leur instinct érotique. L'évolution thématique est intéressante. Dieu et Eros ont dès le début joué un rôle dominant dans son monde imaginaire, ce qui se manifeste dans son délire amoureux pour le professeur de théologie et pour l'empereur Guillaume II. Cette grande poussée érotique est comme sublimée dans quelques rares tableaux, dans la représentation de la Sainte Famille, où Marie et l'enfant Jésus sont les figures centrales, avec l'inscription Gloria in excelsis Deo. Les psychiatres connaissent depuis longtemps la relation étroite entre le délire amoureux et les aspirations religieuses. À quoi on pourrait répondre n'est pas du tout nécessaire d'être psychiatre, c'est-à-dire que c'est une chose que les théologiens eux-mêmes connaissent bien. Je ne dis pas que ce soit un universel religieux, mais c'est un universel au minimum chrétien. Comment dire, la caractéristique érotique du christianisme est une des fondamentales de la mystique chrétienne. Les descriptions par les saintes du léchage des plaies du Christ, de la simple perforation du corps du Christ par le doigt de Thomas. Il y a tout un univers mental de la représentation du Christ et de la Vierge Marie qui sont évidemment des corps en tension érotique pour la bonne raison que le christianisme est la religion de l'incarnation, ce qui veut dire aussi qu'elle est la religion de l'image, comme une seule et même chose. Et là, pas besoin d'être clinicien, c'est un donné du christianisme. Du point de vue formel, il reste à examiner ce qui est schizophrène dans cette peinture. Il n'y a certes pas de stéréotypie. Là, c'est intéressant ce qu'il dit. Une stéréotypie qui voudrait dire il y a un endroit où c'est la schizophrénie qui décide. Eh bien là, il dit il n'y en a pas. Ce qui frappe et de plus paraît pathologique, c'est le remplissage total des feuilles. C'est le horror vacui que Morgenthaler a décrit chez Wolfli, appelé bourrage par Geferdière. Là encore, une certaine prudence mérite d'être rappelée à l'histoire. L'horror vacui est une donnée régulière de notre histoire de l'art. Il y a des moments où la fécondité de l'image passe par cette aurore vacui à différents moments de l'histoire. Vous la trouverez chez, par exemple, chez les enlumineurs allemands du 12e et du 13e. Vous la trouverez ultérieurement dans certaines constructions gothiques, notamment dans les maçonneries et l'architecture maçonne des grands retables du Brabant. Vous la retrouverez également dans certaines compositions maniéristes françaises et vous la retrouverez également à certains moments chez certains artistes du baroque. On est en droit de se poser la question, puisque Aloïse est nourrie d'une certaine culture de l'image, si tout simplement elle ne dialogue pas avec cette certitude. Alors, Sus dit moi aussi le rouge, c'est ma couleur préférée, du coup pour le symbolisme érotique, désolé mais je doute fort. À quoi Mad Monkey répond, Pastoureau fait des bouquins entiers pour parler d'une unique couleur, ce qui prouve qu'il y a plusieurs symboliques possibles. Oui, les livres, enfin, Pastoureau a ouvert la voie. Mais il y a aujourd'hui une branche considérable de l'histoire de l'art qui est l'histoire des couleurs et qui est envisagée aussi, évidemment, sous leur angle symbolique qui est multiple et changeant, vous pouvez vous en douter. À quoi Suze dit, si ça se trouve, les enlumineurs allemands étaient schizophrènes. Bah voilà, en fait, c'était donc ça. Ah, chez Wolfli appelé bourrage, donc par Ferdière. Puis la peinture des deux côtés de la feuille, les perspectives bizarres, les anachronismes, la dissolution de certaines parties du corps, où les seins deviennent des roses décoratives. Nous avons déjà mentionné la tendance au monumental. On peut aussi noter une certaine ressemblance avec le surréalisme et aussi avec le dadaïsme.
Alors dans ce cas-là, s'il note cette ressemblance, il vient d'un seul coup d'ouvrir la boîte de Pandore des parallélismes historiques. Et il devrait mordre sa langue et se dire, attends, il y a peut-être une impasse dans ces comparaisons. Voilà. Au passage, Pastoureau est un bon moyen de dépunk l'évepsie qui t'explique que les petits garçons aiment le bleu et les filles le rose à cause de la génétique. Parfaitement, Mad Monkey, complètement. Mais d'une manière générale, l'évepsie est mise à à mort par l'histoire. Tout ce qui fait l'histoire ridiculise les prétentions de l'évopsie d'être une discipline sérieuse. C'est tout à fait grotesque. Il n'y a absolument rien qui tienne debout dans cette affaire. Par ailleurs, hein, il y a un autre volet consacré à l'évopsie sur cette chaîne jeudi, tant qu'on y est, puisqu'on en parlait. Avec Aurélie, on fait la deuxième partie. Après 6 mois, je crois. La description imaginaire d'un tableau par le poète Artaud, certainement schizophrène, rajoute-t-il entre parenthèses, dans son œuvre Ombilique des Limbes, nous a convaincus de l'étroite parenté avec le monde schizophrénique. Bon, je ne vous lis pas le texte d'Artaud, parce qu'il est un peu long, mais bon. Artaud a beaucoup écrit sur la folie. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles à magie noire. Enfin, j'imagine que vous connaissez tous et tout ça, raison pour laquelle je ne vous lis pas le poème d'Artaud, j'en ai déjà lu beaucoup pendant les soirées poétiques. Ce tableau décrit ci-dessus pourrait aussi bien être une œuvre d'Aloïse. Les visions de leur monde intérieur se manifestent ici d'un seul jet. Mais Antonin Artaud et Aloïse sont des artistes et des poètes à part. Pour chercher à les comprendre, nous aimerions, pour terminer, citer quelques passages de grands poètes. Vivre, c'est lutter contre la malice des forces sombres en nous. Faire œuvre poétique, c'est juger son propre moi. Ça, c'est ce petit génie d'Ibsen qui a dit ça. L'art est magie et transformation, c'est Ortega y Gasset, donc on a parlé tout à l'heure, enfin, j'ai évoqué ce en quoi la comparaison qui paraît un peu nunuche et terriblement romantisante avec la magie n'est pas complètement vaine, je pense qu'elle est porteuse quand même de certaines idées, pourquoi pas. Et voilà, le texte est fini. On peut dire que c'était quand même globalement infiniment moins bête que le texte précédent, et ça nous a permis de voir beaucoup de très belles pièces d'Aloïse. Je me sers une petite chicorée et on va passer ensuite à un autre livret. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, mon préféré d'Artaud, ça reste la lettre à Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants. Comme c'est étonnant, Suze. Elle est complètement monomaniaque. Ah, c'est pas vrai, je suis polymaniaque. Mais dans chacune de tes manies, c'est à fond, on creuse le sillon, hein. Tu peux pas t'empêcher. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu d'autre? Bon, j'avais prévu une trop grosse pile en fait, hein. J'avais prévu une dizaine de livrets. Vous voyez, pour l'instant, on n'en a épluché que deux. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup à dire pour environner tout ça. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Pendant que je... Elle est trop chaude, cette chicorée. Non, c'est des intérêts spécifiques, voyons, dit Glitch. Ben oui, pardon, ce sont des intérêts spécifiques. Enfin, je ne vais pas souiller les intérêts spécifiques de Suze. Ah. Ah, ce qui est très drôle, c'est que ces catalogues publiés par Sandoz circulent, évidemment, circulaient et circulent, s'ils existent encore, dans le milieu médical. Donc on trouve ça plutôt dans les collections de médecins. Moi, j'ai récupéré celles que j'avais sur les dissections, l'anatomopathologie, dans une bibliothèque médicale. Et donc, comme Sandoz, ce sont des laboratoires, hein, médicaux, c'était fourni. Et donc, du coup, là, vous avez un petit truc. Méléril, 200, retard, le neuroleptique longue durée à dose quotidienne unique. C'est des petits fascicules qui ont quand même pour but de promouvoir le travail pharmacologique des laboratoires sans dose. Alors, nous allons passer, c'est plus court, à l'analyse de l'œuvre de Philippe Bellemare par le Gaston Ferdière.
Alors, qui est ce Gaston Ferdière? C'est un ex-interne des asiles de la Seine et du centre de prophylaxie mentale. Donc là, on plonge vraiment dans le passé, hein. Même dans cette façon de nommer les institutions, vous vous rendez compte? Donc, Gaston Ferdière était chargé de cours à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale. À la faculté de médecine de Paris, les médecins des hôpitaux psychiatriques, ancien directeur d'établissement, expert près de la cour d'appel de Paris. Il est actuellement président à la Société française de psychopathologie de l'expression et de l'évolution psychiatrique. Donc là, on est dans notre sujet, la psychopathologie de l'expression. En imaginant que pour un homme qui travaille auprès de la cour, tout symptôme exprimé sur une image peut devenir un symptôme à charge. Attention. Alors, l'œuvre de Philippe Felmer, F-E-2-L-M-E-R, vous verrez, est assez disparate, assez intéressante. Je l'ai regardée très brièvement. Alors là, il est difficile de ne pas penser en voyant ce portrait, tout en croûte et en pâte, à d'autres artistes des années 50, notamment 60. Je pense à Fautrier et évidemment à Dubuffet, mais pour Dubuffet, ça ne vaut pas, puisqu'il a beaucoup été aux mamelles des images qu'il collectait lui-même avec ses amis pour constituer les collections de l'art brut. Donc là, il y a un mouvement de va-et-vient, mais ça revient exactement à ce que je disais par rapport à l'interprétation hasardeuse de ce qui serait une typologie expressive propre à tel ou tel champ psychique, tout ce que vous gribouillerez pourra être retenu contre vous. Allons-y. Voyons ce qu'il y a à dire de ce Philippe Felmer, ou plutôt, voyons ce que Gaston Ferdière pensait qu'il y avait à dire de ça. Ce qu'on va faire, contrairement aux deux précédentes lectures, comme la description générale est assez courte, on va voir comment, image après image, un clinicien de cette époque décide de regarder une image. Comme ça, on sera vraiment au cœur finalement de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire psychiatrique. Puisque c'est aussi un des enjeux du live de ce soir. C'est une chose de regarder l'imaginaire de nos patients, mais évidemment de penser quel est l'imaginaire psychiatrique qui l'accompagne. Alors, il y a un peu trop de reflets là. Il y a moyen de virer du reflet? Ah, c'est chiant ça. Là, il y en a un peu moins. Allez, ça me crame la gueule. Pourquoi ça? Sur celui-là, c'est plus compliqué d'avoir une bonne lumière, je trouve. Attendez, on va essayer quelque chose comme ça. C'est pas tellement mieux. Ah! Peut-être avec une lumière plus latérale. Ah, qui soit moins sur l'image. On voit mieux les couleurs, mais ce que vous ne voyez pas là, c'est la dimension bleutée de ces incrustations. C'est con. Désolé. Bon, je ne vois pas comment améliorer l'image. Peut-être. Ah si. Ah, ça va bouger un peu, ça va tanguer, je suis désolé. Hop. Voilà. Si je rajoute la lumière de la rasure elle-même, on y voit plus clair. Voilà, c'est mieux. Bon, ça va tanguer un tout petit peu pendant un petit moment. Délibérément, pour dévoiler d'emblée mon propos, je n'hésite pas à partir d'un exemple emprunté à la littérature et dans lequel la schizophrénie, pourtant si tentaculaire, ne parvient pas à glisser le bout de son plus minime tentacule. Je rappelle un chef-d'œuvre universellement connu, Le Horla de Guy de Maupassant. Les plus récents commentateurs de cette nouvelle s'efforcent de la situer en dehors du cas Maupassant, en dehors de la méningoencéphalie diffuse et de ses fameux prodromes. Alors les prodromes, c'est tout ce qui précède, c'est comme on pourrait dire les signes annonciateurs. LLM nous fait un live depuis son bateau. Je suis désolé, ça tangue. Hein. Il replace l'auteur dans son époque, dont il reste le prisonnier et dont il doit adopter les habitudes, les modes ou les snobismes. Ils en arrivent à le poser comme un véritable précurseur.
et de citer les surréalistes qui ne l'ont glissé ni dans les écrivains à lire, donc à conseiller, ni dans ceux à ne pas lire, dont il faudrait savoir se détourner. Et c'est là l'admirable texte de Antonin Artaud de 1925 au numéro 3 de la Révolution surréaliste qui écrit « Quittez les cavernes de l'être. Venez, l'esprit souffle en dehors de l'esprit. Il est temps d'abandonner vos logis, céder à la toute pensée. Le merveilleux est à la racine de l'esprit. Nous sommes du dedans de l'esprit, de l'intérieur de la tête. Idée, logique, ordre, vérité avec un grand V, raison, nous donne tout au néant de la mort. Gare à vos logiques, messieurs, gare à vos logiques. Vous ne savez pas jusqu'où notre haine de la logique peut nous mener. Il y a des signes dans la pensée. Notre attitude d'absurdité et de mort est celle de la réceptivité la meilleure. À travers les fentes d'une réalité désormais inviable, parler à un monde volontairement sibyllin. » Il disait aussi, si je me souviens bien, à propos de ces glossolalies, « Tout vrai langage est incompréhensible. » Donc Artaud nous enjoint à nous méfier au maximum de tout ce qui viendrait domestiquer les formulations humaines, les énoncés, et également par la bande et de façon subordonnée à domestiquer les idées. Parce qu'évidemment, penser excède la pensée et les formes qu'on lui donne. Ils en arrivent à se demander si pour le mot passant des contes de la folie, ce monde sibyllin est bien celui de l'hallucination. Je suis trop profondément psychiatre, et je sais trop par mon expérience quotidienne qu'un sujet n'est pas halluciné, mais bien qu'il hallucine, pour me poser une telle question. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très juste. On en revient à exactement à ce que je dis. Quand je dis, à l'instant, là, penser excède la pensée. Artaud n'oublie pas que les formes d'énoncés sont traversées par le fait même de penser, c'est-à-dire la vie même, et que celle-ci se produit dans la réceptivité la meilleure, comme il le dit, à la mort. Et qu'au fond, selon lui, tous les petits tours que nous jouons à notre pensée en essayant de lui donner un cadre par lequel nous prétendrions avoir une capacité à nous détacher d'elle, à l'analyser et à penser sa forme, sont des endroits où la vie est partie, des endroits desquels la vie a quitté la pensée. Il pense donc clairement la vie des idées dans le temps qui les produit, dans le temps dans lequel elles apparaissent. Voilà, donc il tient compte de ça, de cette notion fondamentale qui est celle de la durée. Et dire qu'un sujet n'est pas halluciné mais bien qu'il hallucine, c'est ramener la vie dans cette question. Voilà ce que nous dit Gaston Ferdière. Je ne me la poserai pas plus à propos de l'artiste que j'ai à présenter ici, Philippe B. Fellmer, qui a su exprimer non seulement sa propre angoisse, mais celle de notre temps. Donc il s'intéresse à l'historicité du sujet, mais aussi à l'histoire du sujet. Donc c'est bien, là on revient à ce dont on parlait au tout début de ce live. De celui-ci, l'œuvre de Philippe m'apparaît comme une des manifestations les plus significatives. Nous avons besoin de lui. Et devons-nous souvenir avec Rosemary Ferenczi que ce rêveur de Kafka définit l'artiste à la fois comme un veilleur et comme un éveilleur. C'est une chose qui n'est pas très bien comprise en général des relations des œuvres à leur temps, c'est qu'on pense obstinément aux œuvres comme rendant compte d'un certain état du monde, en oubliant complètement le fait que par leur apparition même, elles le changent. Et elle ne le change pas dans l'horizon lointain du moment où les œuvres auront rejoint ce paradigme de la disparition qu'est l'espace muséal dans lequel les œuvres ont cessé d'être elles-mêmes. Non, il s'agit bien de penser à ce qu'elles changent du monde et de la réalité au moment où elles s'effectuent, et dans le cadre dans lequel elles s'effectuent, bien entendu. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce dialogue entre veilleur et éveilleur. Chacun a à même de rappeler ce qu'un artiste doit à son temps en oubliant complètement ce qu'il fait à son temps. J'ai cru voir un moment dans ce pseudonyme de Fellmer l'amour et l'admiration de Philippe pour l'œuvre de Hans Bellmer, qui apparemment l'a marqué. Il m'affirme aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est le 19 septembre 1975, et tous les textes cités ici sont recueillis au cours de l'entretien de ce jour, que j'ai commis une erreur et qu'il a voulu ce Fellmer
pour des raisons affectives, en souvenir d'une femme. Donc on entend dans femelle, on entend la mère, on entend femelle, on entend une combinatoire comme ça, assez puissante finalement, de la présence d'un autre corps que le sien. Admettons alors, sans commentaire, que le hasard fait bien les choses. Philippe est né en avril 41. Dans sa période productive, c'est un jeune homme de 25 ans environ, un leptosome, dans la classification krechtmérienne. Alors là, vous allez m'aider à aller chercher, parce que je ne sais pas qui est krechtmère et je ne sais pas ce qu'est leptosome. Je vous l'écris. Leptosome. Voilà. Et krechtmérienne, ça s'écrit comme ça. Crête. Je vous ai dit exceptionnellement, je n'ai pas préparé pour les choses que j'allais rencontrer et ne pas connaître. Donc, je vous demande de m'aider. Voilà. Il appartient à une famille d'artistes, grand-mère comédienne, mère dessinatrice, fréquentant volontiers les milieux artistiques. Philippe me prévient. Mon père, je préfère ne pas en parler. Certes, j'ai nourri pour lui de la haine, mais celle-ci est actuellement fort diminuée. Philippe prétend avoir eu la révélation de ses dons à l'âge de 13 ans. C'était une composition de dessins, les autres avaient transpiré 3 heures. J'ai mis 5 minutes pour mettre en forme quelque chose. Et je me suis trouvé premier avec 18 sur 20. Mais toute étude le rebute. Je trouvais ainsi l'occasion d'échapper à l'esclavage entrevu qui m'attendait. Il ne s'inscrit à aucune école. Il lit fort peu et uniquement de la littérature fantastique ou mystique. Là, on entend une phrase qui nous concerne tous et qui est vraiment importante. Il dit, je trouvais ainsi l'occasion d'échapper à l'esclavage entrevu qui m'attendait. Il y a un double esclavage. Ce double esclavage, il est double par la forme qu'il lui donne, produire un dessin dans lequel on le reconnaît, et le faire dans un temps rapide. Et évidemment, ce qu'on entend dans l'esclavage, du coup, c'est le travail, la notion de l'effort, du mérite, etc. Et la possibilité de trouver simplement une fissure du monde dans lequel on peut apparaître en dépit des conditions normatives ou contre elles dans lesquelles ce monde se conditionne. Alors, Suze nous dit, le leptosome est une morphotypologie définie par Kretschmer, d'accord, dans son œuvre biotypologique, opposée au pique-nique court et large et caractéristique d'une personne plutôt longiligne, d'accord, c'est plutôt un morphotype corporel. Alors, la description de ce type somatique fait plus de place au coup d'œil qu'aux mensurations anthropométriques, plus tard chères à Sheldon, d'accord, c'est la tentative de créer une espèce de typologie des corps, quoi. Le leptosome, donc, de leptos étroit et de soma, corps, et qui dans certains cas va jusqu'au type encore plus marqué de l'asthénique, est tout en longueur. Sa croissance ne s'est pas développée suffisamment. Les membres sont graciles, les côtes se voient sous la peau. Du point de vue morpho-psychologique, le visage est allongé, le nez est long, lui aussi le crâne est détruit, sans dépendre d'une craniosténose, le menton en retrait, le tympan. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa conformation corporelle? Il a beaucoup de cheveux et peu de poils. Je trouve tout ça extrêmement douteux. Ce physique serait corrélé à un type de personnalité plus ou moins en rupture avec le réel, schizoïde et schizotime, dont l'extrémum serait le schizophrène. Mon Dieu. Minkowski a révélé qu'il s'accompagne de formes peu adaptées, de stéréotypies psychiques. Il existerait une scission entre surface psychique et profondeur. La surface est trop lisse, trop anodine ou froide et raide. La profondeur est tourmentée, sensible et douloureuse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quand même des moments où il est assez bon d'éviter de s'enliser dans d'aussi terribles et stupides métaphores. Malgré les séjours répétés dans les cliniques et les hôpitaux psychiatriques, de décembre 63 à 64, juin à août 65, août à octobre 67, je ne peux le ranger parmi les ressortissants de l'art brut. Mais qui t'y obligerait? Car si le mot de schizophrène conserve encore un sens dans la bouche du psychiatre d'aujourd'hui, Philippe est un authentique schizophrène. Un schizophrène non fixé et dans l'évolution de sa psychose, on peut distinguer des périodes de délire paranoïde à leitmotiv, souvent métaphysique. D'autres d'autisme forcené. Il faut bien comprendre autisme, hein, comme on l'entendait à cette époque, hein, avec un état de repliement sur soi, incommunicationnel, catatonique, etc. C'est une définition qui va perdurer assez tardivement. D'autres encore d'exaltation, de violence et de dangerosité. Sa fuite rapide et souple,
l'a mis plus d'une fois à l'abri des gardes de police, de l'infirmerie spéciale et des poursuites judiciaires. Il est habile, le coco, il serait utile en cortège de tête. L'apport exogène ne peut être négligé, mais là comme ailleurs, le miracle de l'alcool ou de la drogue est bien misérable. Alors là, le docteur fait référence à un texte précis, hein, c'est Misérable Miracle, qui est un merveilleux bouquin de Henri Michaux. Il a des lettres, notre docteur, il aime bien nous le faire savoir. Alors, salut la main à six doigts, tu vas te coucher, tu sors du lorg pour nous souhaiter une bonne soirée. Merci pour cela, absolument passionnant, quoi, je ne manquerai pas de terminer. Merci beaucoup, la main à six doigts. Il y en aura d'autres parce que j'ai encore plein de dossiers. Alors, actuellement, Philippe travaille plus de 10 heures par jour comme coursier et ne touche pas un crayon. Il boit de plus en plus et réclame de lui-même une cure de désintoxication. Il traverse des crises violentes d'excitation et d'agressivité. Il n'observe pas les règles élémentaires de propreté corporelle ou vestimentaire. Moi-même, gros alcoolo, je comprends très bien de quoi on parle. Certes, certes, certes. C'est aussi pour ça que je vous ai gardé à part les deux dossiers consacrés aux toxicomanes et aux alcooliques, parce qu'on devra amener dans ces questions d'autres problèmes, d'autres nouages problématiques qui vont rendre les choses un peu plus compliquées, à savoir d'autres facteurs d'une manifestation de la présence de ces fameuses stéréotypies et des présences de stéréotypies, de leur motivation à être, ce qui rend les choses ouais, un peu plus délicat. J'aurais des crises violentes si on me faisait bosser 10 heures par jour, moi aussi, dit Suze. Ben oui. Il y a une des grandes difficultés pour apprécier la violence des cadres normatifs, c'est que jamais ils ne sont questionnés comme possiblement substantiellement violents pour la simple et bonne raison qu'on les suppose une sorte d'état superposable à la société elle-même dans laquelle il serait convenu, qui qu'on soit, de pouvoir se glisser et s'adapter. Il y a vraiment là pour le coup une sorte de désubjectivation générale des cadres de la normativité, notamment de celle du travail, qui laisse complètement de côté cette idée toute simple, c'est que le travail, comme toute chose, n'est peut-être pas fait pour tout le monde et que nous ne sommes pas tous également aptes à en subir les cadres. Et donc à y réagir plus ou moins docilement. Je dois noter que je n'ai jamais vu au travail la main de Philippe, une main fine qui vient volontiers souligner les phrases. Philippe a besoin de la solitude en face de son papier ou de sa toile. Il n'a jamais consenti à tracer une seule ligne en ma présence. Il venait seulement m'apporter cérémonialement ses œuvres. Il serait assez intéressant, mais hélas, il n'est pas disert à cet égard, de savoir ce que notre bon docteur entend par cérémonialement. À quoi ressemblait cette fameuse cérémonie? Il serait difficile d'éviter le bavardage, le rabâchage, pardon, si je répétais mes propres travaux concernant le style de la schizophrénie et apportant un appareillage de référence. Alors là, je ne vais pas buter contre le mot style comme je le fais d'habitude, parce que pour une fois, il est parfaitement adapté à la situation. Le style impliquant, contrairement à la main, une notion de stéréotypie. Or, c'est bien ça qui est cherché. La question du style est profondément, structurellement, une question stéréotypique. On pourrait cependant relever ici le bourrage, puisque cette dénomination est universellement adoptée, en tout cas elle l'était à ce moment-là, on a vu qu'un médecin l'a évoqué tout à l'heure quand on parlait de Aloïse, donc il semble que la psychopathologie de l'expression ait pris pour elle l'expression de bourrage, c'est-à-dire occupation maximum totale de l'espace du papier ou de la toile. Est universellement adoptée, et parfois la plénitude, les stéréotypies authentiques et les itérations, si on veut bien admettre l'analyse sémiologique de Paul Guiraud. Le géométrisme, le maniérisme, donc la recherche tranquillisante de la symétrie et de l'équilibre. Alors, le caractère itératif des dessins de schizophrène est, oui, assez fréquent, mais il est, je dirais, est-ce que l'itération, c'est pas la composition même logique du délire? C'est-à-dire que, au même titre qu'il faut laisser pour soi, aller jusqu'au bout une idée à elle-même, quelle qu'elle soit et sans hiérarchie d'importance, il peut tout à fait en être de même pour une forme. On peut concevoir qu'une forme porte en elle-même sa prolongation et sa répétition, c'est-à-dire sa promesse finalement de devenir un système, tout simplement. Et Riou dit, ça coûte cher le papier, autant le remplir.
Le monumentalisme n'exclut pas fatalement le maniérisme. Oui, effectivement. Oui. Certains espaces paraissent réservés et ces vides me font penser tour à tour aux atmosphères mystérieuses de Monsu Desiderio et à la lumière intérieure de Sima, qui sont donc deux artistes. Alors, on va regarder comment notre clinicien parle des images qu'on va regarder. Pour une fois, on va le faire comme ça, on aura vraiment un aperçu. Les textes ne sont pas très longs, il n'y a pas beaucoup d'images, mais on va bien voir comment ça fonctionne finalement, le discours clinique sur une image. Voilà la première, planche 1, portrait ou autoportrait, point d'interrogation. Alors, il serait intéressant de savoir d'où jaillit ce point d'interrogation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est une question? Est-ce que c'est l'obsession du clinicien qui n'est incapable de concevoir l'œuvre d'un schizophrène autrement que comme un miroir? C'est bien possible. C'est le premier tableau conservé de Philippe. Donc, c'est un tableau de 1962. Un visage figé comme une planche de bois moisi greffée sur des troncs d'arbres qui la pénètre jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de l'arbre. Est-ce que je vois ça, moi? Je cherche hein, de quoi il est question. C'est-à-dire que j'ai tendance, mais c'est une déformation personnelle, à voir essentiellement des gestes plastiques et trouver la cause d'un geste plastique généralement dans la formulation plastique elle-même. C'est, je dirais que la régularité du travail plastique vient à trouver ses conditions d'émergence dans le point de départ comment dire, de sa mise en forme et de sa mise en place. Il y a un entraînement de la peinture par la peinture, du dessin par le dessin, qui trouve sa cause essentiellement en lui-même. Pour se prolonger. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas une idée en tête, qu'il n'y ait pas quelque part une esquisse du travail terminal, mais il faut comprendre que même à l'intérieur d'un dessin académique, la prolongation du geste du pinceau trouve sa cause dans le geste précédent. C'est quelque chose qui n'est pas nié par la nécessité de produire une forme plutôt qu'une autre. C'est plutôt la forme plutôt qu'une autre et le cadre dans lequel cette possibilité apparaît. Une chose qui est très bien dite comment par Gerhard Richter quand il parle de ses relations à la figuration, qui le libère ou qui libère sa peinture d'avoir une raison d'apparaître sous telle ou telle forme, parce que précisément cette question-là, elle est réglée par le mimétisme, une bonne fois pour toutes, de la forme, et la peinture peut devenir peinture avec finalement la plus grande capacité digressive, la plus grande libération. Ça devient finalement un geste plus abstrait de peindre une figure que de ne pas le faire. Plus tard, Philippe dit, à cette époque, j'étais enkysté dans la matière. On en revient précisément à ce dont je suis en train de parler, du coup. Qui étaient les prémices hein, des descriptions que Fautrier pouvait faire de sa peinture, par exemple, ou parfois du Buffet. De trouver dans leur matériologie la raison même d'être d'un tableau sous telle ou telle forme. L'œil gauche fixe le vide, l'œil droit déplacé et vague, sans expression. Dessous, on découvre un troisième œil, symbolique, et réunissant pupille et rayon de l'iris, qui fera son apparition sous forme de mandala dans plusieurs des tableaux suivants. Donc c'est cette chose-là. Cette formation croûteuse, qui est une espèce de réplication, de dialogue avec les autres formes, peut-être pour permettre à son auteur de s'arracher à une trop stricte figuration encombrante, quoi. Une tête au carré, nous dit Riou. La bouche aux dents multiples, unique élément vivant de ce visage, exprime-t-elle une injure ou seulement la terreur devant le moi en dissolution? Ça y est, on est parti. Dans l'encadrement noir, les rayons partent de la tête, laissant entrevoir une communication avec le cosmos. Ou la possibilité de résoudre justement un problème graphique de remplissage. Ou un problème de dialogue avec une surface trop terne qui n'aurait pas la capacité, comme partout où se développe cette matière, d'avoir une certaine tenue et une certaine fluidité. La question plastique d'un aplat noir transformerait cette tête en un simple motif détaché de son fond. Le geste répétitif de ces sillages, on n'est pas obligé de traquer derrière ça un symbolisme à la mort moelle-neuve. Il n'est pas nécessaire d'en passer par là pour comprendre pourquoi ces choses apparaissent. Souvent, pour comprendre une chose plastique, il est bon de l'interroger en termes
plastique. Pas évident ce troisième œil. Non, effectivement, comme tu le dis, Dr. Wack, pas évident. Là, c'est quoi? C'est bien la planche 2? Ouais, c'est ça. Mécanographisme. Alors là, on est très très proche, en plus de son quasi contemporain. Je pense à comment un fasciste trip ou la différente série de travaux comme ça, assez filaires et étirés sur des fonds vaguement paysagistes et brumeux qu'on peut voir chez Réquichot, chez le génial Réquichot. Ce serait assez intéressant de voir. Mais bon, on peut aussi, à la même période, puisque là, il appelle ça mécanographisme, il y a un peintre hein, des années de cette période-là qui mettait en branle les machines organiques sur des grands fonds comme ça, frottés ou des grands passages de fondus. C'était Matta. Je crois que le prénom de Matta, c'est Ricardo, mais vérifier. Un artiste dont on parle plus beaucoup, mais assez génial, selon moi. Je dirais que c'est une des meilleures choses qui soit sortie de cette bouillie pas très intéressante qu'est le surréalisme. Planche 2, mécanographisme. Un système de défense gigantesque de pylônes, hélices, roues, squelettes, métalliques et antennes. Composition rythmique très artistique. Ne me demandez pas ce que veut dire une composition très artistique, je ne comprends pas ce mot. Alors, en l'occurrence, là, ça ne veut vraiment rien dire. On voit pas. Si on peut essayer ensemble, hein, de se poser la question sérieusement de ce qu'est ou pas l'art, hein, comme problème, comme notion, comme champ, dire d'un truc qu'il est très artistique ou pas, là on perd pied. Hein. Alors, le gargarisme superfétatoire à base de cosmos et troisième œil, c'est les observations d'un clinicien. Ben oui, Ryu, visiblement, c'est les observations d'un clinicien. En tout cas, rien ne nous laisse supposer que c'est Philippe qui en parle en ces termes. Voilà, il n'est pas cité. On est en droit de se poser la question, en tout cas, vraiment, quoi. Tu vas te pioncer, salut my name. Merci pour le live et de rien, et bonne nuit à toi aussi. Rappelant quelque peu les œuvres de Tinguely, non, enfin, c'est une peinture, hein. À ma connaissance, Tinguely est un sculpteur, donc c'est bizarre, alors que la peinture contemporaine de cet homme est disponible pour en parler. Je vous ai parlé de Matta et de Réquichot, vous verriez que ça peut avoir du sens. Donc, c'était pas utile de confondre deux pratiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce tableau, pourtant, exprime violence et guerre, la projection d'une dernière ligne de défense, la peur d'un moi en train de se morceler. À l'arrière-plan, un néant gris, illuminé à peine par un soleil mourant, déformé. Où est-il, ce con? Ce serait cette chose-là qu'il voit qu'un. Pourquoi pas, oui. C'est un dessin très dur, barbelé, dira Philippe plus tard. Et là, on lit Philippe. Les lignes sont plongées derrière les remparts de l'impérissable. Il faut secouer ses chaînes pour se libérer. Évidemment, ça crée des bulles. Il est fait pour ne pas prendre des radars pour des lanternes, bien que les lanternes puissent aller à l'infini. Voilà ce que nous dit Philippe. Qui est autrement plus intrigant et moins posé et analogique que ce que nous dit notre clinicien. Mais je vous l'ai dit, le problème du clinicien, c'est que le seul mode sous lequel il peut comprendre la composition d'une image et les éléments qu'il compose, c'est d'une part de les penser en éléments, et à cause de cela même, c'est-à-dire d'avoir une fonction verbale, phrastique, une vision complètement linguistique finalement de la peinture, ce qui est une erreur tragique, hein, de s'encombrer alors d'une seule méthode de jonction de ce qu'il a lui-même morcelé, il ne lui reste plus que ça, c'est l'allégorie. Chaque chose devant prendre sa place dans une chaîne de signification. Dommage. Planche 3, qui se tient comme ceci, verticalement. Donc c'est une variation sur un même processus compositionnel, où il a beau parler d'organisme, notre clinicien, le machinisme l'emporte très largement sur cette question. Mais après, la question est ouverte inlassablement, puisque penser le corps comme corps-machine est tout simplement un des usages de notre réflexion sur le corps depuis au minimum le XVIIe siècle. Il n'est même pas nécessaire de l'y figurer pour que nous puissions nous sentir pris
dans ces comparaisons. Planche 3. Là, c'est un détail agrandi en fait de la planche 2. Ah, ceci explique le... Dans ce cas-là, le changement d'échelle, c'est pas une variation sur le thème, c'est un zoom. La partie centrale de l'appareil de défense avec sa multitude d'engrenages et d'articulations. Une composition équilibrée de lignes verticales et diagonales dont le centre de gravité est souligné par la couleur rouge utilisée parcimonieusement. Oui, enfin là, on peut plus parler de composition dans ce cas-là. Si tu fais un zoom sur quelque chose, tu dois oublier la pensée de la composition. Ça devient un pur arbitraire. Il faut le penser sur la vue d'ensemble, le tout en un dont parlait Roger de Pile. Planche 4. Alors, pour quelqu'un qui était censé faire du bourrage, le voilà lâché dans une ligne de flottaison tout à fait différente, un abandon de la forme, une espèce de rapport océanique à son fond, duquel, vous voyez, il a enlevé toutes les nuances, ce qui donne un côté beaucoup plus plastique à la composition, c'est-à-dire à affirmer très fort la notion de composition d'un seul coup. Avec une tenue qui joue beaucoup sur un assez génial déséquilibre. Je suis pas fan de son travail, mais je suis assez fasciné par la qualité de la tension. La façon de la résoudre, qui est assez géniale. On joue sur une syncope qui rabat la forme principale assez loin du champ, dans une espèce de centripétie dangereuse pour le tableau, rattrapée par ce point d'orgue rouge là. C'est quand même pas mal du tout. Effectivement, le rouge est assez parcimonieux et il produit cette espèce de jeu d'équilibre. Enfin, vous le voyez pas bien à cause de cette putain de lumière. C'est vraiment, je suis désolé. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ah ouais, là on voit mieux. Ouais, c'est mieux là. Suze dit, il y a un soleil paternaliste. Oui, là on c'est vraiment à usage interne pour les viewers et vieweuses qui déboulent. Cette référence à un soleil paternaliste est désormais assez loin dans le live. Vous verrez ça en replay au début sur un autre artiste. Alors, sur un fond obscur de néant, là encore, c'est une question qui mérite d'être posée. Le néant pictural existe-t-il? Puisque rien ne pousse sur un papier et le fond a été peint. Ce n'est pas la couleur qu'on pourrait appeler le subjectif neutre du papier pur qui peut être pensé dans une absence, lui. Mais non, et là, la toile est objectivée et matérialisée par le passage d'un fond uniforme. À peine éclairé par un soleil couleur rouge sang, vaguement carré, une sorte de vaisseau spatial circulaire paraît décoller d'une plateforme suspendue dans le vide. Le soleil rouge se reflète à l'intérieur des arcades dressées sur le disque flottant. On verra dans la planche 5 des détails de ce jeu assez subtil avec le rouge. Et retrouve un contrepoids bien équilibré dans la lanterne rouge à l'autre bout de la structure de levier, où se situe une tête de gardien, unique élément humain, qui est ici. Effectivement, c'est une petite portion figurative, assez drôle d'ailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ah si vous pouvez, j'ai fait... Normalement, il fait une mise au point automatique. Génial! Ah ouais, là, la mise au point est bien faite, vous pouvez le voir. Et quand il n'y a même pas de néant, c'est du bourrage de papier. Le bourrage de papier. What an incredible calembour. Qu'est-ce que je disais? Observant attentivement le décollement de la nacelle, qu'il a peut-être même déclenché, mais vas-y Coco, raconte ton histoire. Est-ce que c'est la possibilité de rejoindre des vérités absolues et éternelles dont parle Philippe en contemplant les tableaux? Possibilité de rejoindre des vérités absolues et éternelles. Est-ce que le fait de peindre n'est pas en soi un questionnement? Je ne sais plus si c'est Richter encore qui disait que peindre était à la fois l'acte le plus brillant et le plus idiot du monde. Et c'est très également vrai. Donc là, on va zoomer sur cette plateforme. Ça, c'est un détail de ce que le clinicien a appelé l'astronef. En regardant de près, on remarque que la voûte impressionnante qui surplombe la plateforme et qui est éclairée dans sa partie intérieure par le soleil rouge. Dans sa partie droite, elle se perd en structure, rappelant les agrès d'anciens voiliers et évoquant étrangement des accumulateurs d'énergie solaire.
Le plancher de l'astronef est un dessin en damier, témoin d'un géométrisme tel que nous le trouverons encore plus prononcé dans les images suivantes. Ce sol, à son tour, sert de toit à l'étage inférieur, muni de voûtes et de fenêtres. À noter la petite apophyse sous la nef qui rappelle vaguement un dispositif d'éjection. Vaguement. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir comment dessiner en représentation vaguement perspectiviste est un éternel questionnement du rapport à la surface plane avec la possibilité d'y matérialiser des espèces de, comment on pourrait dire, des projections d'illusionnisme partiel. Si quelqu'un a beaucoup théorisé ça par son dessin, vous le connaissez bien, c'est le géométriste Escher, qui se pose la question d'une façon très claire, lui, en mettant en danger la lisibilité de ces illusionnismes, c'est-à-dire en les renversant, en les trahissant, en produisant des images qui sont des trompe-l'œil, des pièges pour le regard, qui déjouent finalement la capacité à matérialiser. Mais cette question, elle est fondamentale d'autre chose, hein, c'est d'un certain rapport à ce qu'on pourrait appeler le plus petit dénominateur commun mimétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui, dans la représentation mimétique, est mimétique? De quoi est-elle mimétique? A-t-elle besoin d'être mimétique d'un objet pour simuler l'existence d'une profondeur? Est-ce que cet objet a besoin d'avoir une tangibilité pour prendre son statut d'objet mimétique ou pas? Et produire des espaces mimétiques comme celui-là, dont la seule chose mimétique est une série de toutes petites conventions de l'articulation à la profondeur, jouée ici par une forme de mise en lumière qui est assez brillante, hein. Elle n'est pas rationnelle au sens d'un éclairage tel qu'il serait entendu, sinon cette trouée ne pourrait être éclairée à cet endroit-là, mais c'est un plan de rationalité satisfaisant pour que tout fonctionne. Une merveilleuse combinatoire de ce que l'on peut savoir et de la mise à l'épreuve par le dessin de ces questions en jeu dans toute figuration. Ça donne un dessin assez remarquablement intelligent de ce point de vue. Bon, après, si on veut vraiment y rajouter des petites histoires de science-fiction, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas ce qui me semble vraiment passionnant dans ce dessin. Planche 6. Ça s'appelle Le Temple gardien du seuil de 1963. Ce géométrisme qui nous est cher. Bravo, Suze. What an incredible calembour. Précédé d'un c'est pas un bourrage de pipe, dirait Magritte, enfin, évidemment. Alors, la vie dure, là on cite Philippe qui dit la vie dure, tranchante, dans le sens Lancelot du lac, passant pieds nus et mains nues sur une lame de rasoir. Le temple gardien du ciel, oui, le jeu d'échecs ou le damier. Et toujours le soleil qui revient sans cesse mécanisé sous un portique totémique. C'est pas inintéressant de voir dans le jeu d'échecs ou le damier, pas seulement une forme dure en tant que forme, mais une forme dure en tant que conditionnement du mouvement. Parce que ce sont des jeux dans lesquels le mouvement est absolument contraint et pré-réglé. L'idée qu'il puisse exister un territoire du monde dans lequel il n'y a qu'une seule bonne façon de se conduire fait aussi du damier et de l'échiquier une forme dure pour de toute autre raison. Je ne parle pas de la symbolique relou, des enjeux guerriers qui s'y jouent, mais simplement le conditionnement du mouvement à des règles très strictes qui en fait un territoire terriblement normatif pour le coup. Le bâtiment sombre, sous forme de tour, avec la façade éclairée et son horloge, est apparemment le temple gardien du seuil dont Philippe parle. L'entrée du portique est barrée. À sa gauche s'ajoute un édifice bizarre dont on voit le détail agrandi à la planche 7. Donc on verra ça tout à l'heure. À droite, une série de damiers ronds ou carrés, en partie déformés, qu'on verra sur la planche 8, sur un autre agrandissement, arrangés en terrasses et sur lesquels se plante, par l'un de ses piliers, le second s'appuyant sur le temple, la construction en arc qui surplombe le tout et qui vise le ciel, à l'instar d'un canon de défense contre les avions avec ses radars et ses antennes. À la base de cette construction, nous retrouvons le motif d'une architecture en galerie avec des créneaux, arcs, colonnes et portiques fermés. Entre la tour du temple et l'arme anti-aérienne, le soleil revient tout le temps, ici. Le tableau entier donne l'impression d'un insecte gigantesque hors du temps et de l'espace. Oui, sur celui-là,
Enfin, le parallélisme avec une certaine organicité, parce que rien ne vient justifier dans l'espace, évidemment, ces espèces de pauvres formes filaires, sinon à renvoyer à une image insectoïde, ou en tout cas au minimum un peu animalisée. On parle beaucoup de géométrie, peu de géomé joyeux. Mon Dieu. Salut Bradipus. Honte sur toi. Bienvenue avec ton calembour sous le bras. Et comme il se doit, allez, salons cette entrée en matière. What an incredible calembour. Même si he's not so incredible, il faut bien le dire. Donc là, on va grossir deux passages avec la planche 8, la planche 7 et la planche 8. Et là, on voit apparaître des choses qui ne sont pas inintéressantes, c'est-à-dire certains caractères filaires de l'inachevé, qui produisent des effets d'arrière-plan, mais qui pensent l'arrière-plan dans un autre monde. Ça m'intéresse tout particulièrement. Pourquoi je dis dans un autre monde? C'est qu'ils ne sont pas sur le même plan. Le plan d'arrière-monde n'est pas un arrière-monde qui serait celui du domaine de mimétisme proposé, à savoir des personnages sur une plateforme, donc un univers dont on pourrait dire qui veut matérialiser par les effets d'une perspective des formes, mais un arrière-plan qui se joue entre l'inachevé, le croquis, le dessin et la forme complétée. Et ça, c'est un tout autre plan. On pourrait dire que c'est un plan de genèse. Le plan de genèse, au même titre, par exemple, que les marmifinti dans la peinture de la Renaissance, sont une genèse de la couleur. Vous voyez, ces marbres peints qui sont des giclures de couleurs, mais qui sont le monde pour la peinture. Et dont on peut dire ici que cette esquisse fébrile est l'arrière-monde, voire le monde de départ, le monde de la genèse, pour des formes plus achevées. Alors, quand on regarde les quatre figures humaines qui sont debout, là, qu'on voit, là, hein, je peux vous les montrer de près, si vous voulez. J'en profite pour vous montrer les graphismes dont je vous parlais. Voilà. Debout devant cette structure insolite, cette construction en arc semble d'autant plus gigantesque. Elle pourrait représenter les vestiges aussi bien d'une ancienne cathédrale que d'un monstre ailé antédiluvien pétrifié. Dans la partie supérieure de l'arc gauche, nous retrouvons l'ouverture ronde dont l'intérieur enferme des rayons de roue, comme d'ailleurs à plusieurs autres endroits du dessin. Un mur délimite la parcelle en dehors de laquelle, suspendue dans le vide, se dresse une figure mystérieuse d'un autre monde. Et je vous dirais, toutes ces descriptions sont-elles bien utiles en vérité ? À quoi cela nous sert-il de vouloir, comme une espèce d'empressement assez caractéristique de tous ceux qui passent l'énoncé verbal au-dessus de n'importe quelle production humaine, la nécessité d'un seul coup de décrire? Il y a un nombre considérable de livres d'art dont on se demande pourquoi ils existent quand on se rend compte avec stupéfaction que la page qui est en regard du tableau ne vise qu'à décrire ce que nous voyons déjà. Je dis ça parce que j'ai une collection assez considérable de livres d'art dans lesquels le plus gros de l'activité des historiens semble justement uniquement limité à cet exercice bien ennuyeux d'ekphrasis. Alors, tatati tatata. Bon, on va plutôt regarder le dessin ensemble d'un petit peu plus près. Ça ne sert à rien de suivre ces descriptions. Là, on voit l'intégration à cet endroit-là de choses qui disparaissaient complètement quand nous étions plus loin, qui changent complètement la donne dans le regard sur ces structures, qui n'ont plus du tout cette espèce de liberté aérienne, de dispositif projeté dans l'espace. Mais ce que je vous disais par rapport aux échiquiers, regardez ce qu'il a fait là. Vous voyez ces figures qui n'ont pratiquement pas de corps, qui sont posées sur une espèce de socle. C'est difficile à cet endroit-là, en regard des damiers, de regarder autrement comme machine de production, de gestes normés, finalement, la position qu'il donne à ces créatures filaires, plus ou moins anthropoïdes, mais largement privées de toute capacité de se mobiliser seules. La violence du rouage devient une toute autre chose qu'un dispositif destiné à faire fonctionner une machine qui, visiblement, ne fonctionne pas du tout, enfin, n'est pas pensée pour avoir une espèce de raison résonnante dans son organisation. Mais plutôt, ici, une machine à broyer les mouvements. Mad Monkey dit encore, il y a des livres qui te parlent du tableau sans mettre le tableau à côté. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un des rares reproches que je ferai à la revue des éditions adverses à partir d'eux, c'est qu'on parle beaucoup de bande dessinée dans cette revue, mais il n'y a pas d'image. Et je ne comprends pas. J'avoue que c'est le truc qui me laisse extrêmement perplexe dans cette revue.
Donc cette chose-là, il l'a titrée magma. L'enchevêtrement du monde de la folie se propage comme une forêt vierge. Bon, ça, c'est le clinicien qui parle, hein. Une route y amène, ok, mais se perd après un virage derrière un arbre stylisé dans le magma. Donc, on va regarder ça ensemble, hein. On y découvre partout des visages, des yeux et des symboles parfois sexuels. Alors là, il faudrait questionner le symbole. Parce que si quelque chose vient d'une certaine manière faire apparaître à la surface du papier la manifestation organique d'allusion sexuelle, il ne s'agit plus du tout de symbole. Ça n'a pas un statut de symbole. C'est un statut réellement organique. Ah bon, c'est magnifique ça. Magnifique. C'est Moi, je beau, regardais l'autre hein? aussi. L'autre est très beau, on va le regarder aussi dans le détail. Et ce qui est intéressant, c'est la diversité, hein, des approches, hein, de Fellmer. C'est vraiment très très beau. La question de l'organicité et de sa valeur d'une espèce de géologie sexuelle, comment on pourrait dire ça intelligemment, sans dire des grossièretés? Elle est en jeu dans la combinatoire elle-même. Je vous ai parlé d'un bouquin qui a été réalisé il n'y a pas longtemps par Ilan Manoak avec des intelligences artificielles, dont toutes les images sont des espèces de combinatoires de corps qui sont en elles-mêmes, en tant que combinatoires, pas plus obscènes que ça, mais qui, comme combinatoires, le sont terriblement parce que le processus de mise en forme ne fait que évoquer et réévoquer le seul fait d'assembler des corps hétérogènes entre eux. Et cette manipulation-là, on pourrait dire que s'il y a une organicité, c'est pas la peine d'aller chercher des symboles. S'il y a une économie libidinale, elle est ici, dans le fait même de dessiner. C'est-à-dire qu'il y a une production organique qui est à la fois représentative, si oui, c'est vrai, de temps en temps, elle fait éclore des formes allusives qui jouent, comme chez Hans Bellmer, la capacité de l'ambiguïté. Et cette ambiguïté, c'est elle, la valeur érotique fondamentale. C'est elle qui fait poser des questions sur la texture même de ce que nous sommes en train de regarder. Mais il y a le fait de dessiner qui, à cet endroit-là, est ce mouvement d'une production de ce que j'appelle donc, et pour emprunter ce terme à Jean-François Lyotard, une économie libidinale. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un régime symbolique, parce que précisément, c'est ce que n'est pas ce dessin. Le symbolique, c'est ce qui crée du lien entre une chose préexistante en lui substituant une autre forme, en la décorrélant au moins assez pour qu'il faille faire un mouvement de décodage. Mais ce n'est pas ce qui se passe là. Nous ne sommes pas en train de décoder ce dessin pour essayer d'y trouver la portion organique qui ferait émerger un instant un bout de symbole. Nous sommes en train d'observer la palpitation même. Et pas seulement la palpitation de la forme achevée, mais la palpitation du dessin en train de se faire. Et on va finir avec cette très belle chose qui doit se regarder, j'imagine, ouais, comme ça. On regardera ça de près encore, hein, tout à l'heure. Celle-ci s'appelle Le chemin vers la liberté. On voit que Fellmer ne se fait pas beaucoup d'illusions plus que nous, hein, sur la possibilité de l'atteindre. On notera ça. Alors, ça, c'est crayon et crayon de couleur. Ce sont des petites pièces, hein. Je ne vous ai pas donné les formats, mais ça, par exemple, c'est un 24-32, c'est pratiquement que des petites pièces. À l'intérieur de ce monde délirant, ça, c'est le texte du clinicien, hein, séparé du monde extérieur par un immense mur, qui est là, un chemin, mais la notion d'extérieur et d'intérieur, elle est posée uniquement par le clinicien. Qu'il y ait un mur, et notamment celui-là qui est complètement fragmenté et enchevêtré avec le dispositif formel, à aucun moment ne parle d'intérieur et d'extérieur. On est plutôt dans la régulation générale d'un système envahissant, hein. Un chemin mène vers une trouée d'air libre, le fameux chemin vers la liberté que vous voudrez, dont nous parle Fellmer, j'imagine. Mais essayons de ne pas être aussi littéral que notre clinicien. Et je ne voudrais pas tomber dans les mêmes travers que lui.
Sur un char d'assaut entouré de monstres de toutes sortes, la figure centrale, comme une déesse armée, guerrière, se fraye un passage. L'animal mystérieux coiffé d'une couronne qui flotte à sa hauteur, la suit-il ou l'attaque-t-il? Un espoir de renaissance dans une liberté à acquérir au prix d'un combat acharné? Ouais. Ah mais il rajoute... Bah non, alors là c'est too much quand même. Il rajoute, le titre de ce tableau, Le chemin vers la liberté, n'est pas de Philippe. Ah, là c'est très drôle. C'est que, après avoir posé un titre, vous avez produit quoi? Vous avez produit un cadre de validation. Donc tout ce qui suit, c'est un côté circulaire quand même, là, et un peu autotélique. Voilà qu'il nous place un titre et ensuite il cherche tout ce qui pourrait corroborer la nécessité de ce titre. Soyons un peu plus généreux avec le travail de Philippe. Je pense que ce qu'il appelle la tête couronnée, c'est ce visage saillant. Espèce de créature de l'apocalypse, effectivement, la bête à 10 cornes et 7 têtes. Je me demande ce qui a pu conduire notre ami à chercher un chemin vers la liberté, c'est-à-dire à poser ce titre-là, quoi. Ce qui paraît assez intéressant par rapport à tous les damiers de tout à l'heure, qui est très sensiblement différent. C'est les questions que posaient ces damiers de régularité. Merci pour le follow, Joseph Thomas, et bienvenue parmi nous, bienvenue à bord. Il y a quelque chose qui paraît plus lourd et à la fois plus léger, plus lourd parce que, au fond, dans le dessin de Fellmer, l'idée qu'il y ait une obstruction au déplacement passe pas forcément par des espaces. Comment de sillage quadrillé, si je reprends un peu les topologies proposées par Deleuze, hein, entre le lisse et le strié, entre le nomade et le guerrier, et l'urbain. Mais à la fois, il y a une assomption réelle et complète du fait que le dessin prodigue inlassablement ses propres portes de sortie et sa nécessité d'être. Là, je crois que dans ce dessin, plus que jamais, on voit. Ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, quand je disais que les conditions de la nécessité du dessin étaient la plupart du temps à trouver en lui-même, et à la fois comme condition générale du travail, mais aussi évidemment comme condition partielle du travail, comme un pas à pas longuement enchaîné, avec cette certitude que l'erreur, c'est précisément l'analogie allégorique, l'idée de segmenter un image en plein de petits bouts qui seraient porteurs de sens, mais bien comprendre que le dessin est une des modalités du continu, c'est-à-dire tout à fait le contraire de cette discrétisation sémantique tentée par notre clinicien. Je crois que là, c'est il y a quelque chose de perceptible de cette réalité, du dessin. Voilà. Bon, c'est très très beau ça. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un live un peu plus court que d'habitude, c'est un live de 3h30, donc c'est pas vraiment dans les habitudes de la maison de faire aussi court, mais je pense qu'il y avait énormément d'informations, que donc peut-être il faudrait savoir s'arrêter à temps. Et salut Sombre, tu vas bien? C'était vachement bien, ça t'a plu? Ben, j'en suis ravi. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu le début, je vous invite quand même à regarder en podcast par la suite, parce qu'il y a vraiment plein de belles images qu'on a regardées ensemble. Et puis surtout, une tentative de préparation générale à notre condition d'observation de ces images. Hein. Dans ces passionnants, mais vraiment, vous êtes adorables. Une sourmouche sauvage était parmi nous. Bah, écoutez, c'est très gentil, en tout cas, de trouver de l'intérêt à mes divagations. Ça veut dire qu'on noie, je vous revois peut-être, hein, si vous êtes d'accord, jeudi avec Aurélie pour qu'on continue le boulot sur les vaupsies. Je suis ravi de vous voir aussi enthousiaste, ça me fait très plaisir. Et d'être resté à plus d'une trentaine jusqu'à cette heure-ci, alors qu'il se fait un petit peu tard, puisque c'était hyper dense, donc forcément un petit peu fatigant. Et je me demande chez qui je vais raider. Il y a Yukaino, que j'ai pas raidé depuis longtemps, qui était en discussion tout à l'heure avec une amie à elle sur des questions liées à la féminité. Et sinon, il y a Daimon, que je connais pas bien, mais que j'ai jamais raidé. Ça pourrait être une occasion. Je crois que c'est des lives politiques. Écoutez, je vais faire ça parce que je l'ai jamais fait. Si c'est nul, vous me direz. Si vous faites chier chez lui. Moi,
Je vous embrasse chaleureusement. J'espère que je vous vois pour le prochain, pour jeudi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et soyez gentils en déboulant chez Daimon. Vous me direz comment c'était. Voilà. Et bon, bah, je suis content que ça vous ait plu tout ça. Alors, vous êtes combien à pouvoir aider chez Daimon? 23, 28, 29. Ben, c'est bien, c'est un bon petit raid. Allez, je le lance et je vous dis à bientôt. 30. Ah ben, vous êtes 30. À bientôt.